Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Geek Talk Show, une émission qui vous est proposée par Pixel et Live, deux associations étudiantes de Neoma Campus de Reims par extension, l'école de la convivialité. Vérité. Ce soir, on va parler de plusieurs choses, mais on va se faire un peu de promo hein, pour commencer. On a lancé une nouvelle émission avec Pixel qui s'appelle Crossline. C'est une émission en gros qui traite de l'univers étendu d'une œuvre. Le premier épisode est réalisé par Quentin et Victor. Et il vous parle du Seigneur des Anneaux, si je dis C'est pas, ça, oui, c'est c'est bien ça. ça, du Seigneur des Anneaux. Du coup, on voit le Seigneur des Anneaux hors des livres, hors des films. Et ben, je me rendais pas compte que c'était aussi riche. Et le prochain épisode est avec toi, Antoine, c'est bien ça? Normalement, oui. On Ok. le tourne demain, mais j'ai pas le droit Ok. d'en Est-ce dire que... plus. Ah, on doit pas connaître le sujet Non, encore. Ah, non, ok. non. Il cultive le mystère. Et à sa droite, Louis. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Ryan. Comment tu Bonsoir, vas? tout le monde. Ça va bien? Ça va à merveille, et toi? Ça va. Tu t'habitues au froid de Reims? Oh, tranquille, tranquille. Putain, je sais pas. Enfin, on vient du sud et genre je sais pas comment c'est possible de Oui, s'habituer. mais j'ai des origines picardes et scandinaves. Bon, ça va, il a essayé de s'en pour s'habituer. Mais une qui ne s'y habitue pas forcément bien, c'est Ilona. Bonsoir Ilona. Transition Oui, incroyable. c'est vrai, quand on vient du sud, clairement, les moins 2 degrés, moi je Ah ouais, connais non, pas. on n'est Ça pique. pas encore Pourtant, bien moi aussi habitué. j'ai des origines de Pologne, mais ça m'a pas aidé. Ah, ok, bah on n'est pas tous égaux face au froid. Voilà. Thibaut, tu vas bien? Eh ben écoute, tranquillement. Ça va. Et le froid, je supporte. Le froid, ça va. Ça va pas, ça va bien, ça va bien. De quoi est-ce que tu veux nous parler ce soir? Je vais vous parler d'un film de boxe. Ok, tu vas essayer de le faire deviner comme la semaine Encore une dernière, fois. mais tu Ouais, on va essayer. l'as pas mis dans le... Si? Non. Non, ok. On s'est compris, on s'est compris. Peut-être que vous, derrière votre écran, c'est flou, mais oui. Ah, excuse-moi. Ah oui, on sait que sur la dernière émission, vous nous avez dit que apparemment, on ne nous entendait pas très bien. Donc cette émission, on va essayer de parler bien près du micro. N'hésitez pas à le dire dans le chat si jamais il y en a que vous entendez mal. Et bah, je vais commencer avec l'actualité. Faisons cela, commençons Oui. tout de suite Pourquoi tu dans me le... regardes toujours quand tu Mais je commences sais par pas, l'actualité? C'est c'est vrai, toujours je moi sais pas. que je sois là, bah ici. Je sais pas, c'est le réflexe de se tourner vers la droite, je sais, mais Mais quelque non, chose mais me non, fait parce que dire. la dernière fois Ah j'étais bon? là-bas et tu m'as encore regardé. Je sais pas, enfin, je... Tu es quelqu'un de On va confiance. passer Quelqu'un de toute charismatique. l'émission comme ça. Voilà. Faisons comme ça. Donc du coup, la première actu, c'est qu'il y a un nouveau champion de Tetris. Et avec cette actu, ben, j'ai découvert qu'encore des gens jouaient au Tetris. Ben, en fait, je savais pas qu'il y avait. Non, mais c'est vrai, je savais pas qu'il y avait de l'e-sport de Tetris. Et Spoil, ce n'est pas moi. Oh! Ah bon? Attends, attends, Surprise, je mon sais, article mais est ce n'est pas moi. compromis. Non, bref, c'est un mec de 16 ans. Donc c'est le championnat se déroule sur la version de 1980 sur NES. Et l'ancien tenant du titre, c'est. Alors, la prononciation, vous allez encore vous foutre de ma gueule. C'est Jonas Neubauer. Bauer, je me suis planté. Il a le titre depuis 2010. Il a perdu qu'une seule fois en 2014. Mais je me suis dit, quand même, le gars, depuis 2010, chaque année, il tryhard sur Tetris. Chaque année, il joue à un jeu, c'est Tetris. Mais enfin, je sais Mais il finit toujours par perdre, normalement. Enfin... Mais oui, mais c'est du high score. En gros, Ah, tu ok, celui combats. qui a le plus haut, Ouais, voilà, ouais, ok. tu combats quelqu'un et Non, le. ça fait 10 ans qu'il est là et qu'il continue sa partie. Il a jamais perdu, ah, d'accord. Ah ouais, et donc du coup, depuis 2010, il a toujours gagné sauf en 2014. Et là, genre, il se fait dégager par un petit de 16 ans du nom de Joseph Saïli. Est-ce que. Oui, du coup, vous pouvez le voir en bas à droite de votre écran. Parce qu'on a un Jean-Michel Régis très au taquet. Voilà. Non, Ah il est en train de dire quoi, mais du coup, c'est que. Merci la régie. Et pour la suite, est-ce que je peux inverser l'ordre de mes chroniques ou non, enfin de mes Oui, fais actus. ça comme Oui, tu ok. veux. Hein. Toujours respecter le plan. S'en tenir au plan. Non, je... la dernière fois, Ilona nous parlait des adaptations de manga à l'écran. Eh bien, on va en avoir une nouvelle avec Détective Pikachu. Est-ce que vous l'avez vu ce trailer ou pas forcément? Je ne l'ai pas vu, Je parce l'ai que ça ne vu. m'intéresse pas. Je l'ai vu et ça m'intéresse beaucoup. Ah, mais moi aussi, ça m'intrigue énormément. Toi, Ilona? Je l'ai vu, mais la Welcome voix de Pikachu, ça to m'a Rhyme marqué, City, j'avoue. a celebration of the harmony Je dis pourquoi, between parce qu'on humans est habitué à avoir and Miaouz possum. parler, tu vois, enfin, Ouais. Miaouz qui parle, ça ne me choque pas. Mais en fait, c'est juste que Pikachu, tu sais, tu vois le petit Pokémon Tim, tout mignon et t'as la your voix dad. de Dorian Deadpool. Reynolds. Mais Mais oui, ouais, c'est genre. Dorian Reynolds qui fait hey, salut! C'est ça. Mais Mais je trouve arrête! que ça colle Ah, mais pas. ouais, ça fait un décalage pas possible, mais on dirait une parodie. Enfin, C'est le. ça, moi j'ai plus vu comme une parodie du coup Mais le film c'est, donc j'ai envie de dire, mais
qu'est-ce qui se passe? Les Pokémon, c'est pas ça. Depuis quand Pikachu c'est un détective? Non, c'est un Pokémon. Bah après, enfin, c'est une série que j'adore, mon Pokémon, que ce soit les animés ou les jeux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Let's Go, apparemment Let's Go Pikachu, j'y ai pas joué personnellement, mais apparemment c'est décevant. Maintenant ils font un film où Pikachu il parle, il devient un détective, mais qu'est-ce qui se passe? Bah après, genre pour la défense du film, il y a un jeu qui s'appelle Détective Pikachu qui est pas top apparemment, mais le film colle à ce jeu. Mais mais en fait, c'est vrai que ça me donne envie ou pas envie, mais je me dis mais qu'est-ce que vous faites? Mais j'ai l'impression que c'est une espèce de Ted dans l'univers Pokémon. Ouais, et ça me fait délirer vraiment. Genre, c'est ça, c'est une espèce de peluche comme ça qui est vachement, ouais, qui a l'air vachement trash justement avec sa voix et tout. Et ça, non, Ted, honnêtement, je pense pas qu'ils vont faire. Non, mais non, mais ce sera pas trash. Ouais. Mais par rapport à Ted qui se veut vraiment comique, je sais pas si là le film à la base il se veut justement comme ça, un peu en mode parodie quoi. Donc... J'ai l'impression, enfin, moi c'est ce que ça me laisse. Mais dans tous les cas, les Pokémon, je les ai trouvés super stylés. Ah ouais, mais moi ça me fait rêver, ouais, vraiment. Ça me fait rêver. J'avais beaucoup peur de voir les créatures en 2D, enfin en dessin, à animer en 3D, mais en vrai ça rend super bien. Pikachu, je trouve qu'il rend pour le coup en tout cas en visuel, ouais, super, ouais, bien. Ouais, ouais, énormément. Tu sais, j'avais peur qu'il fasse un truc genre tout lisse, dégueulasse, mais non. Ouais, genre en doudou. Par exemple, ils l'ont fait justement un peu avec. Ouais, ouais. Parce que sinon, le petit truc là, ça aurait été. En doudou, il est gênant, ouais, gênant as fuck. Je sais pas si vous avez vu Psycho Quack aussi, mais il est incroyable. Mais il m'a pas marqué. Psycho Quack, moi non plus. Il est un peu dans le trailer. Il est... okay. Et Monsieur Mime aussi, qui m'a fait. Ah, Monsieur Mime, ah, ouais. Non, Monsieur Mime, il est vraiment creepy. Il fait super peur. J'ai vu un gars qui a découpé la tête de Monsieur Mime pour le mettre sur Thomas le train. Je sais pas si. Ah mon dieu, non. Alors, en fait, genre, c'est un train, c'est à la base un dessin animé pour enfants, mais le visage est tellement gênant. Il fait peur, le train. Ouais, ouais, il fait super peur. Et du coup, sur internet, il est repris avec plein de flûte, je trouve plus mes mots, plein de textes dessus. Et... De même. Oui, voilà. Non. Mm. Je suis perdu. C'est dire un même. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ma dernière actu, c'est un truc qui m'a énormément marqué, mais pas comme Détective Pikachu, c'est que Sony ne sera pas à l'E3 2019. C'est une première depuis... la création de l'E3, je crois. Hein. Ouais, 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 depuis 24 ans, ils ont toujours été à l'E3, et là, ils se détachent de l'E3. On se souvient de... La régie rigole, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème? J'ai mis un chien sur l'écran, j'arrivais pas à l'enlever. Ok, bah... ça marche. Oui, et donc du coup, l'an dernier, on se souvient de Sony pour avoir annoncé The Last of Us Partie 2, Ghost of Tsushima, Spider-Man, Death Stranding. C'est un jeu que personne n'a compris. Ils ont envoyé juste un trailer. Vous l'avez vu ou pas forcément? Moi, j'avais pas du tout suivi. En vrai, le trailer, c'est... Vous voyez Norman Reedus, c'est le mec de Walking Dead qui joue Daryl? Non, ça ouais. Bon, bref, si. C'est ce gars qui a un espèce de fœtus dans un incubateur électronique et qui marche dans une planète qui a l'air possédée. Oui, oui, j'ai vu le trailer, je... Qu'est-ce que c'est? Incroyable. On comprend pas du tout vers où va le jeu, ni... Enfin bon, bref, je voulais m'exprimer sur ce truc. Encore maintenant, personne n'a compris. Et donc voilà, c'est avec ces grosses annonces de l'an dernier que PlayStation quitte le 3, et là, ils disent qu'ils reviennent pas. L'annonce officielle de Sony, ça a été Sony Interactive Entertainment continue de rechercher des opportunités inventives pour impliquer la communauté. Les fans de PlayStation représentent tout pour nous et nous voulons toujours innover, penser différemment, expérimenter de nouvelles façons d'enchanter les joueurs. Ok. Je me tourne vers le chroniqueur jeux vidéo. Qu'est-ce Bonjour. Que tu penses de l'absence de Sony? Bah, ça veut présager ce que je pensais, enfin la semaine dernière, qui était un modèle pas viable, genre une espèce de BlizzCon à la PS3, j'imagine, enfin une BlizzCon PlayStation quoi, une PlayzCon ou je sais pas quoi. Mais ouais, bon, bah moi j'attends de voir ce qu'ils vont faire. S'ils font rien, c'est vraiment décevant parce que bah il y aura plus de hype en fait. Bah ouais. Mais peut-être qu'ils se contentent justement du fait qu'ils aient vendu énormément de PS4 et qu'ils soient leaders sur le marché de la console en ce moment. Ils sont devant la Switch? Je crois que oui, okay. Encore. Enfin, en termes de génération et d'unité vendue, oui, à mon avis, ils sont largement devant. Ah, oui, je sais pas s'ils sont encore dans les tendances, mais en tout cas, oui, au niveau unité, ouais, c'est la meilleure console de cette génération, okay. Clairement. Est-ce que tu as un avis sur la question, Louis? J'ai un avis, je parle pense... bien dans ton micro. Oui, je pense que... Ils sortent là de l'E3, probablement que je suis d'accord avec Antoine pour créer leur propre truc, mais pas cette année, l'année prochaine, je pense, ou l'année d'après pour annoncer la sortie de la PS5. Là, cette année, s'ils vont à l'E3, ils ont rien à annoncer, je pense. Alors que s'ils reviennent ou qu'ils font leur truc un an après en montrant une PS5 qui révolutionne tout,
Ce serait une bonne stratégie, un je retour pense. En grâce, ouais. Bah, je sais pas. Ilona, Thibaut, qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je partage cet avis, parce que s'ils viennent à une telle convention et qu'il n'y a personne, enfin qu'il n'y a aucune nouveauté, ça sert un peu à rien. Donc pourquoi pas attendre. Voilà. Mais je... Non, mais j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Je rejoins un peu Antoine. En fait, il y a... j'ai pas réussi à retrouver, mais je crois que c'est Blizzard ou Microsoft qui font en fait leur convention, qui font leur conférence, mais juste, il y a l'E3 et c'est vraiment juste à côté, ils louent une salle d'hôtel ou un truc comme ça. Pendant l'E3 ? Ouais, pendant l'E3. Ah oh ouais, putain, ils sont pas chiés, ouais. Okay. Ah oui, non, c'est vraiment genre, alors, ton festival, je m'en fous, hein, je fais mon truc. Je me dis que peut-être Sony va faire pareil, mais si... Enfin... Mais après, peut-être que du coup, l'E3, ça va plus se spécialiser sur les éditeurs de jeux plutôt que sur les constructeurs de consoles ou de PC. Et genre qu'on trouvera plus des gens comme Ubisoft à l'E3, qui sont vraiment les grosses conférences de l'E3, et que chaque constructeur va avoir... Ça, son et truc. The Last of Us, tout le monde l'attendait. Ouais. Et c'est un jeu Sony. Ouais. Bah justement, peut-être que les jeux Sony seront présentés dans cette nouvelle grosse convention Sony, où ils présenteront peut-être justement la PS5, ouais, c'est possible. Y a des rumeurs comme quoi ce serait peut-être cette année, on sait pas. Louis, tu la vois pas en juin, la PS5? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Tu disais que tu pensais pas que la PS5 serait annoncée là? Non, pas tout de suite. Je pense qu'elle n'est pas prête. Honnêtement, elle arrive en fin de vie, la PS4. Elle est en fin de vie, mais elle continue de marcher. Ni Xbox, pour le moment, Xbox n'ont rien prévu pour contrer la PS4. Donc je pense qu'ils vont attendre encore bien 2020. Et bien 2020, hein, pour au mieux tu sais, la sortir, mais je pense même seulement l'annoncer. Tu sais, il y a eu des annonces, je me souviens d'une annonce de Mirror Edge 2, je crois, où genre ils avaient juste un vieux screen avec un gant, et genre ils ont passé 5 minutes à dire « Oui, regardez le gant, il est magnifique, il est super bien fait. » Et c'était que ça l'annonce, et donc du coup, même s'ils ont qu'un prototype, ils vont le faire en fait. Je me souviens pas de ça. Ah si, c'était incroyable, genre ils ont annoncé, je sais plus si c'est Mirror Edge 2 ou un autre Mirror Edge, mais c'était n'importe quoi, genre ils avaient passé 5 minutes à sur un screen avec un gant, avec tu sais le gant orange de Mirror's Edge quoi, okay. Et genre ils ont passé 5 minutes à être en mode, waouh, quel gant. Et genre on était, mais putain, passer autre chose. Enfin si c'est pour montrer les capacités graphiques de la... Non mais d'accord, mais enfin c'était une grosse annonce du truc quoi, genre ça tu le fais en fin de truc, ou genre sur un autre, pas sur ta scène principale quoi. J'ai pas compris l'histoire du gant, il avait quoi de spécial en fait? Mais rien. Rien, c'était juste un screen du jeu, et ils ont passé 5 minutes à dire oui, le gant, ça reflète toute l'histoire de notre jeu, regardez comme les détails et tout. Mais... Un cours d'idée, je pense pas pouvoir faire ça. Ouais, voilà, ouais, mais en fait, c'était pour ce que dire que même s'ils ont rien, ils font quand même des annonces, quoi. Ils s'en foutent. Il y a une bonne question de Quentin, si Naughty Dog n'a pas son stand indépendant de Sony à l'E3. Il me semble. Merci la régie pour les images. Il me semble que avec Devolver et les autres éditeurs, ils sont dans le même espace. Mais j'ai peur de dire une bêtise. Mais du coup, oui, je crois qu'ils sont détachés. Ils sont détachés de Sony. T'es sûr de ça? Je suis pas sûr à 100%. Du coup, faudrait vérifier. Vous mettez le doute tous. Mais il me semble. Je suis pas sûr. Attends, Naughty Dog, c'est ceux qui font quoi? Ils ont fait Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, ouais. The Last of Us. Je crois qu'ils sont vraiment liés à Sony, genre un espèce de Game Freak, mais chez Sony, quoi. Ok. À vérifier. Peut-être. Bon. Eh bien, on va pleurer l'absence de Sony à l'E3, et on va passer à la suite, qui est la chronique d'Ilona. Oui. Bonsoir, Ilona. De quoi vas-tu nous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler de deux films, et de son réalisateur. La régie est en train de s'énerver. Alors... Oui, j'ai vu ça. On respire, Jean-Michel. Ça marche. Du coup, je ne vais pas vous parler de Hayao Miyazaki, qui serait la base quand on pense aux films d'animation japonais. Je vais vous parler de Satoshi Kon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Bon, bah parfait. Non, allez, voilà, comme ça, au moins je fais découvrir quelque chose. Donc Satoshi Kon, c'est un réalisateur de films d'animation japonais qui est bon, par contre mort en 2010, donc on ne va plus avoir des films de sa part. Et il a réalisé des films... Mais pourquoi tu rigoles? S'il est mort, ça va être compliqué, hein. J'ai essayé de me contenir, mais je comprends son rire. C'est... Bah, il est mort en 2010, du coup, il n'y aura plus de films. Bah oui. Pardon, vas-y. Jugé. Du coup, il a réalisé des films notables tels que Perfect Blue et Paprika, dont je vais vous parler aujourd'hui. Pourquoi ils sont aussi assez notables, c'est parce qu'ils ont quand même inspiré des grands films de réalisateurs hollywoodiens. Alors tout d'abord, je vais vous parler de Perfect Blue, qui est sorti en 1997 et qui est un thriller genre bien comme on les aime, et qui est aussi le premier long métrage de ce réalisateur.
Du coup, on a fait l'héroïne, Mima, qui était membre en fait d'un girls band. Ah. Pardon, je suis désolé, c'est la régie, puisque Paprika, il a mis une image d'épices. En plus, là, je parle pas de Paprika. Merci. En premier. Du coup, tu parles de Perfect Blue. Là, je parle de Perfect Blue, ouais. Si tu veux, tu peux mettre une belle image de bleu. Voilà. Ah mince. Et du coup, voilà, elle était dans un girls band à succès et en fait, elle va décider de quitter le groupe pour devenir actrice. Sauf que ça va pas plaire en fait à tous ses fans et à partir de ce moment-là, sa vie, elle va tourner mais vraiment en cauchemar. Au point que sa vie, on va dire, elle va se mêler avec son rôle d'actrice, en quelque sorte. Puisqu'elle s'aperçoit en fait que tout le monde l'accuse et qu'elle finit par se demander si elle n'est pas même coupable de ce qui se passe dans sa vie et si son existence, elle se confond pas avec son rôle où elle joue en fait une tueuse schizophrène. Donc oui, voilà, ça part assez loin quand même, oui. Oui, ben, c'est un bon thriller, quoi. Et ce qui l'amène en fait à répéter devant les caméras les scènes troublantes qui lui arrivent aussi dans la vie. Du coup, c'est pour ça qu'elle commence vraiment à péter un câble. Et du coup, je trouve jusqu'à la dernière minute, en fait, le réalisateur, il maintient vraiment la tension, il entretient le doute jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que, ben, pour un thriller, il... surtout dans l'animation, je trouve qu'on voit pas son... Jusqu'au bout, en fait, on sait pas si elle vit sa vie ou si elle vit son rôle, c'est ça ? C'est ça. Ok, ça doit être super intéressant. Ben justement, du coup, ben avec Perfect Blue, voilà, il lit vraiment un thriller qui a vraiment une bonne intrigue et qui va justement marquer certains cinéastes comme Darren Aronofsky. Ça me dit quelque chose, il a fait quoi ? Alors il a fait Requiem for a Dream. Ah oui. Et il a fait aussi Black Swan. Oui. Donc voilà. Et en fait, il a carrément lui acheté les droits d'exploitation en fait du film pour recréer genre une scène, mais plan par plan dans son film. Genre il y a une scène dans Perfect Blue où Mima, du coup, elle est dans son bain. En train, ben, sous l'eau de crier, et dans Requiem for a Dream, il y a exactement la même scène. Ça vient de là. Oui, okay. C'est pour ça. Et Du coup, ça vaut vraiment le coup de voir les deux films, je trouve. Il faut que les producteurs aient des sous quand même. Hein. Parce que pour que le réal il dise je veux cette scène, alors on va acheter les droits de ce film. Bon, il était hyper fan, je sais pas. Ouais, et au-delà de ça, il y a même dans, par exemple, Black Swan, ben, on peut remarquer l'influence qu'il a eue aussi sur le fait que. Dans les deux films, en fait, ils mettent en scène une artiste qui va ben, descendre aux enfers dans le milieu artistique aussi. Donc voilà. Et du coup, je trouve voilà, que Perfect Blue, pour ça, il s'impose vraiment comme un thriller d'une bonne qualité et dont l'intrigue est assez bien ficelée. Donc ça, c'était le premier film qu'il a fait. Et un de ses derniers aussi, dont je vais aussi vous parler, donc c'est Paprika, qui est sorti en 2005. C'est un film où Satoshi... Kon, il va s'essayer donc à la science-fiction, qui n'était pas forcément son point fort de base, mais où on retrouve quand même sa patte. Donc là, le résumé, c'est une corporation, elle a mis au point la DC Mini. Donc c'est un appareil en fait qui permet d'enregistrer les rêves. Et l'invention, elle est encore au stade de test. Et il y a deux de ces appareils qui vont disparaître. Et le problème, c'est que les scientifiques s'aperçoivent que bientôt les rêves en fait, des employés ils vont commencer à être piratés, modifiés à cause du voleur justement qui aurait pris les deux appareils. Et le docteur Atsuko Shiba, donc l'une des chefs du projet, elle va prendre l'identité de son avatar qu'elle utilise, on va dire, dans les rêves, en quelque sorte, pour retrouver les appareils et ceux qui les détiennent. En fait, parce que le fait que les rêves ils soient modifiés comme ça, ça peut avoir une répercussion sur la personne et tout. Et du coup, ben aussi ce film, en fait, déjà au niveau de l'animation, il est ouf dans le sens où je m'y connais pas trop dans l'animation, mais en fait chaque frame et chaque image. Je sais pas comment dire, la façon dont il passe d'une image à une image, c'est super bien fait. C'est bien découpé. Et en plus, ça va super bien avec le thème du rêve, où vraiment, en fait, l'animation limite, il mélange animation et art de l'illusion, dans le sens, je sais pas, par exemple, il y a une scène où, pour passer d'une image à une image, elle passe d'un ordi, puis elle ressort de l'ordi, puis elle passe, genre, je sais pas comment c'est fait, mais en fait, c'est trop bien fait. Okay. C'est trop beau dans l'intro, ça vaut vraiment le coup. Et est-ce qu'on sait pourquoi ça s'appelle Paprika ? Ben, parce qu'en fait, le personnage qu'elle joue dans les rêves s'appelle Paprika. Ok, d'accord. Quelle inspiration. Waouh. <Wow. rire> Et du coup, bah, ce film aussi, il a fortement inspiré Inception, dans le sens où... Ça se sentait quand même, dans le sens où ils utilisent une machine à rêve qui permet aux gens de partager leurs rêves, du coup, et aussi une grande partie, en fait, des deux films, elle se déroule
elle se déroule à l'intérieur des rêves. Mais après, en fait, au niveau des deux films, je trouve que les deux, en fait, ils partent quand même dans des directions différentes au niveau de l'intrigue et comment aussi ça se termine, si ça se termine bien ou mal, quoi, voilà. Et du coup, ouais, voilà, si je vous ai parlé aujourd'hui, en fait, de ces deux films, c'est parce que aussi de Satoshi, le réalisateur, c'est, je trouve que ben, ça, il fait partie en fait des réalisateurs d'animation japonaise qui sont pas trop connus, comme par exemple, je vous ai parlé de Hayao Miyazaki tout de suite, vous savez, oui, vous savez, ouais, qui c'est, voilà, Ghibli, ou Ghibli, on va le prononcer bien. Mais lui, il est moins connu et pourtant, il a réalisé des très bons films et qui changent par exemple des films Ghibli où là, on a plus justement un univers avec thriller, des intrigues. Et... C'est pas trop des thrillers, les Miyazaki. Ben non, justement, là, bon, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que ce réalisateur, lui, justement, il a un genre tout à fait différent des Ghibli, je trouve. C'est pour ça que ça vaut le coup de les regarder. Et même au niveau de l'animation, ça... Paprika, il est un peu psychédélique, genre... Et du coup, ça m'intrigue vachement, je suis vraiment curieux de voir ce film. Mais par contre, Perfect Blue, il est pas trash, mais c'est quand même mon thriller, quoi. Il peut y avoir des scènes, voilà. À déconseiller aux âmes sensibles, c'est ça. Bah, il y a une scène de viol ou des trucs comme ça, quoi, donc... Ok. Voilà. Waouh. Bah, déjà, juste, tu nous avais parlé de Your Lie in April, et ça, en vrai, genre, juste, je suis en train de m'accrocher. Enfin, je dois être à l'épisode 13-14, je crois. Ok. Je sens ce qui va arriver, je vais pas le dire, tu vois, je le sens arriver. Tu le sens arriver, tu le sais, ils le disent pas, mais tu le sais. Je suis en mode... Ben, et même si tu sais comment ça va se terminer, t'inquiète pas, à la fin, tu vas quand même rester en mode genre... Ah oui, Jean-Michel Régis approuve. La régie nous confirme. Oui, c'est celui dont tu nous as parlé pendant la première émission. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, elle a dit vous allez pleurer à la fin. Bah, je suis pas loin de pleurer. Merci Jean-Michel Régis d'approuver. Donc oui, c'est tout pour moi. Ouais. Et bien, pendant qu'elle parlait, mon ordi s'est mis en veille, donc je ne sais pas à qui vient la suite. À Thibaut. Ouais, faisons cela. Eh ben, tiens. Thibaut. Alors vous allez être mise à contribution le live parce qu'en fait je vais essayer de vous faire deviner le film. Ah tu le fais deviner au chat. Ouais. Okay, bah, parce que vous le savez tous. Donc. Bah oui mais parce que moi j'allais faire semblant de faire ah mais dis-donc de quoi tu vas. Oh là là. Alors je vais essayer de voir. Alors sache qu'il y a genre 30 secondes de décalage entre ce que tu vas dire et le chat. Ouais c'est vrai. Bon on va essayer de faire avec. C'est un film il est sorti en 1976. C'est un film où le on va dire que tout s'articule autour d'un combat de boxe. Voilà, à partir de là, je pense que... Bah oui, mais Tibi, c'est même plus un indice à ce niveau-là. Ah mais Thibaut, il fait deviner Seigneur des Anneaux, alors c'est deux Hobbits. C'est ça. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Attends, ça va arriver, ça va arriver. C'est un film en 76. 76, c'est vraiment un tout petit film qui a lancé la carrière d'une personne en particulier, encore une fois. Il a fait un autre film avant. Ouais, avant il a fait encore un autre film. Bon bah c'est bon, c'est trouvé. C'est bon. Allez. Ouais, bah oui, forcément. Oh là là, c'était dur. Merci à E-Live. Ah, E-Live n'a pas trouvé. Bon, allez, je vais vous... Merci Jean-Michel Régis. Je vais déballer mon petit truc. Alors c'est un film qui a lancé la carrière de Stallone, donc en 1976. Et en fait, il faut savoir qu'il est l'acteur principal, forcément, mais il est aussi le scénariste. Donc c'est lui qui a vraiment tout pensé. Il a vraiment créé le film de A à Z. Et en acteurs principaux, on a Talia Shire qui joue le rôle mythique d'Adrian. Voilà. Et ainsi que Carl Weathers, l'acteur de Apollo Creed. Donc c'est un film qui dure 2 heures, donc c'est assez... C'est un film standard encore aujourd'hui en fait. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que il a eu un tout petit budget. On l'a réalisé avec moins d'1 million d'euros. Voilà. Quoi ? Seulement ? Moins d'1 million d'euros. Et savez-vous combien de recettes il a fait dans le monde ? Sachant qu'il a eu 3 Oscars. On parle que du 1 là, on parle pas de toute la saga. Ouais, on parle pas de toute la saga, que le 1. Je vais tabler sur 450 millions. Non, ça va. Non, mais calme-toi. Je pense un petit 50 millions. 60, moi j'aurais dit, ouais, 60 millions. Ils ont multiplié par 225. Oh là là. C'est l'entre-deux. Voilà. Wow. C'est réussi à faire un. C'est un chef-d'œuvre du point de vue de la. Je sais pas si on t'entend bien, hésite. Est-ce que c'est le film le plus rentable de tous les temps ou genre... Non, je crois que c'est. C'est Paranormal Activity, ouais, j'imagine. Ouais. Paranormal Activity, c'est 15 000 euros, genre. Enfin, c'est Fiat Punto, ouais. Hein, à peu près. Mais il me semblait que t'avais un autre film parce que si tu convertissais, tu sais, en unité. Ah, oui, autant importe le vent, il est plus rentable si tu convertis. Ouais, peut-être. Ok.
Alors, vas-y. Du point de vue du scénario, donc, c'est Rocky Balboa qui vit à Philadelphie en 1975. C'est un boxeur qui est expérimenté, mais il n'a jamais eu la chance de prouver sa véritable valeur. Donc, il fait de temps en temps des petits combats de boxe avec des gens sans grande importance, et ce qui lui rapporte quelques dizaines de dollars, mais c'est pas suffisant. Du coup, à côté de ça, il travaille pour le compte d'un usurier italien. C'est un travail un peu crapuleux. Qu'est-ce qu'un usurier ? Alors, si je me souviens bien, un usurier, c'est à quelqu'un à qui tu vas demander de l'argent, en fait. Ok. Il va te prêter de l'argent. Et Rocky Balboa, son rôle, ça va être finalement de venir te voir et te dire tu rends l'argent ou je te casse un pouce, par exemple. Tu vois. Ok. Voilà. C'est, on dit que dans le film, il fait ça. Enfin, on lui demande de faire ça. Et donc, ça va lui attirer un peu les foudres de tout le monde parce que son entraîneur de boxe va voir en lui un énorme gâchis. Parce qu'en fait, il a du talent, selon lui, mais. Il travaille pour le compte d'une crapule un peu mafieux comme ça. Donc, suite à cela, il va être viré de son club de boxe. Pardon, c'est les images du live. il va être viré de son club. Et à partir de là, c'est un peu la descente aux enfers pour lui. Rien ne va plus. Il gagne plus assez d'argent, machin. Donc, il est au fond du gouffre. Et c'est à partir de là que Adrienne, donc la sœur de son meilleur ami Polly, va lui venir en aide et finalement lui redonner goût à la vie. Et en même temps de cela, il va avoir l'opportunité de sa vie, c'est-à-dire que le champion de l'époque, Apollo Creed, va lui proposer un combat de boxe, parce qu'en fait, Apollo Creed, le champion, est tellement bon que finalement il n'a plus d'adversaire à sa taille, va donc proposer à Mister Rocky Balboa de combattre. Donc il pense que ça va être un combat facile, et en même temps que ça va lui attirer l'amour du public parce qu'il laisse la chance à quelqu'un de le battre et de faire vivre le rêve américain à un citoyen lambda de Philadelphie. Mais finalement, Rocky va s'avérer être un adversaire plus coriace que prévu. Et si vous voulez savoir la suite, il faudra regarder le film. Voilà. Waouh! Mais je pense que tout le monde l'a tellement connaît. Bien teasé. Bah, en même temps, il est sorti en 76. Bon, ouais. Je l'ai pas vu, mais si on spoil Rocky, je vais pas faire. Non, ne spoilez pas Rocky. Mais c'est les récents, enfin les tout nouveaux Rocky, oui, quoi. Ils sont assez récents quand même. Oui, il y a eu 7 suites. Exactement. Ouais. Il y a eu 7 suites en tout. Dont la prochaine. Comment? Il y a eu que 6 Rocky, il me semble. En fait, je prends en compte les Creed. Ah oui, okay. Si tu prends en compte les Creed. Parce qu'en fait, ils sont dans le même univers, donc. Ouais, ouais. Voilà, je les considère comme une suite. Oui, oui, en somme, t'as pas tort. Il y a toujours Stallone dedans, et c'est lui qui a réalisé le premier Creed, je crois. Je suis pas sûr, à confirmer. Et si je peux émettre des avis, ça va pas vraiment être objectif, parce que c'est finalement un de mes films préférés. J'ai dû le regarder une bonne dizaine de fois, au moins, je pense. Et pour moi, c'est... Comme je vous ai dit, c'est avec 1 million, ils ont réussi à faire 225. Ça montre que avec seulement un tout petit peu d'imagination, un petit peu de moyens, un petit peu d'imagination, des bonnes idées, on peut vraiment faire des trucs vraiment formidables qui plaisent à tout le monde. Et finalement, avec 3 Oscars, c'est la juste récompense de ce film, je pense. Mmh. Et finalement, je peux conseiller de le voir pour plusieurs raisons. C'est pour l'époque, il véhicule vraiment le rêve américain. Donc d'un point de vue juste, historique, finalement, et encore aujourd'hui. Ça nous replonge dans cet univers, finalement, que l'Amérique, tout est possible, on peut y arriver, etc. Et également, il développe les premiers codes, il développe les codes des films de super-héros actuels, je trouve. C'est-à-dire vraiment la présentation du héros en première partie, ensuite sa descente aux enfers, une opportunité qui se présente à lui, et enfin l'apothéose quand il réussit son défi. Voilà. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est des codes qui marchent bien et qui sont encore repris aujourd'hui. Donc c'est peut-être ça qui a expliqué le succès du film. Et évidemment, il y a des scènes tellement mythiques dans ce film. Par exemple, quand il va boxer des gros steaks dans une usine. Repris par Aurel San d'ailleurs dans une chanson, je crois. Ah oui, ouais. Dans la réserve, je m'en bats les steaks. Voilà, exactement. Et quand il crie Adrienne à la fin de son combat, ouais, voilà, c'est des scènes choc et qui restent et qui sont dans la culture populaire aujourd'hui. Voilà. Okay. Et donc, d'où ma question, est-ce que vous irez voir le Creed 2, du coup?
Bah, il faudrait déjà que j'ai vu le 1. Non. Tu n'as pas vu Rocky, aucun des Rocky, ni Luke. Mais en fait, j'ai pas regardé Creed, parce que j'ai pas vu Rocky. Mais il y a 6 Rocky. Je me vois mal regarder genre une saga d'un film de boxe. Alors que, enfin, bon, comme tu l'as dit, les trames narratives des films de boxe, c'est souvent les mêmes. Il y a La Rage au Ventre qui est vraiment cool, mais encore une fois, il est très... Mais si tu veux, c'est le même scénario que La Rage au Ventre, quasiment, en fait. Hein. Ouais, bah, tu vois, je me vois pas voir un film qui a vieilli et qui est comme La Rage au Ventre, tu vois. Mais t'as... les films comme ça, je pense que c'est intemporel en fait. Bah, Rocky 1, que... oui, mais après, je me vois pas me faire Rocky 2, puis Rocky 3. Ouais, mais les suites puis sont pénibles. Hein. Les suites sont pas ouf. Hein. Ouais, mais d'un point de vue, enfin, perso, d'un point de vue historique, juste, se remettre dans le contexte de l'époque, c'est vraiment une expérience enrichissante, je pense. Je crois que c'est Rocky 4, il me semble, je sais plus. Il y en a un, c'est sur la guerre froide, par exemple. Oui, c'est le 4. C'est le 4, avec Ivan Drago. Voilà, exactement. Et on voit tout ce qu'il y a derrière. C'est un film assez critique, d'ailleurs, sur la guerre froide. Un peu politisé. Même Rocky 1, par exemple, c'est un film avec un aspect social hyper poussé sur le rêve américain, sur ce que c'était dans les années 70-80. Après, il y a eu la guerre froide. Donc, même historiquement, je trouve que c'est une bonne expérience de voir les Rocky quand même. Bon. Vous m'avez convaincu de peut-être le regarder. Ouais, pour le coup, oui, c'est sûr que c'est pas un aspect qu'on peut retrouver dans Southpaw, dans La Rage au Ventre. C'est notre époque, les codes sont actuels, etc. Ouais. Et je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Voilà. t'as capté, j'ai essayé de me rattraper et tout. Alors bon, on va l'assumer. Non. Mais Rocky Balboa, c'est un excellent jeu sur Play 2. Du coup, j'ai fait le jeu, je connais un peu l'histoire. Et voilà, moi, mon expérience avec Rocky s'arrête à la PlayStation 2. Bien, bah écoute, je n'ai jamais joué à ce jeu. D'ailleurs, j'étais plus fort que mon père. Salut. Non, mais j'ai ragé. Bon, bref. Est-ce que tu avais fini? Je ne sais pas. Tout à fait. Que je t'ai coupé. Et tu avais vu Rocky, toi, Louis? Eh non, je n'ai pas vu Rocky, mais... Ah voilà, lui vous l'insultez pas. Moi, j'ai pas vu Rocky, c'est grave. Et il a pas dit, donc t'es gris. Moi, je me suis camouflé, j'ai laissé prendre les coups. Voilà, on a plus d'énergie, même. Prendre les coups, la boxe Rocky, allez. Ah putain, oh, bien. J'avais même pas remarqué le jeu de mots. Louis, les cris de non plus. Ok, enfin, le premier, tu l'as pas vu. Okay. Je regarde pas trop de films de boxe, même pas du tout. D'accord. C'est triste. Ouais, c'est vraiment triste. Mike te demande si Rocky Balboa, finalement. Ah putain. Wow. Mais non, mais il faut pas relever les blagues comme ça. Ah, merci Mike. Merci Mike. C'était un beau jeu de mots, j'approuve. J'étais mon public de tout le monde en plus. Donc, Est-ce qu'on enchaînerait pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, on est un peu en retard. Donc du coup, je vais vous parler d'un événement tragique. Je vais faire retomber l'ambiance. Allez, comme vas-y, nique l'ambiance. Vas-y. La semaine dernière, vous le savez très certainement, Stanley nous a quittés. De son vrai nom, Stanley Lieber. Du coup, je vais revenir rapidement sur la carrière de ce grand homme qui était très très proche de ses fans, même jusqu'à la fin. En 1922, pardon. Il est né à New York le 28 décembre et du coup, il est mort la semaine dernière, le 12 novembre. Au début, il a fait beaucoup de petits jobs d'écriture de journalistique, des corrections, des petites rubriques ou des petits articles. Voilà, pas de choses grandement intéressantes. 1936, il rentre chez Timely Comics, qui deviendra Marvel par la suite. Je vois la régie qui s'endort. Tout va bien. ouais, du coup, il va y avoir beaucoup de dates, et je vais essayer de rendre ça un peu plus vivant. Ses premières pages sont écrites en 1941, puis il deviendra rédacteur en chef de Marvel. Enfin, quand tu commences juste à écrire des rubriques nécrologie, ça fait plaisir. Quand très jeune, tu deviens rédacteur en chef. Timely devient Atlas en 1950. Il y a une grosse période de remise en question des comics. Parce qu'il faut savoir, à cette époque, en fait, c'est un peu... Enfin, c'est pas un parallèle un peu hasardeux, mais c'est comme les jeux vidéo de nos jours. En 1950, c'était très... ouais, mais ça rend les enfants violents, hein, et il y a des mauvais messages et tout. Enfin, voilà, et ce Comics Code est resté un bon moment, je crois, jusque dans les années 80, où le comics était très 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 très, très codifié, etc. Et Stan Lee, du coup, ça lui plaisait pas trop, puisqu'il aimait bien écrire des histoires originales et qui plaisaient aux fans. 1960, la Justice League of America est créée par DC Comics. Et du coup, chez Marvel, ils disent à Stan Lee, bon, eux, ils ont une équipe de super-héros, on en veut une aussi pour rester dans la concurrence. Et c'est ainsi qu'en 61 sont créés les Fantastic Four, les 4 Fantastiques en... Quel accent. En français. Quel accent. Wow. Je fais English track, attention. Wow. Le 10 août 62, après le succès de ces personnages, donc les 4 Fantastiques,
J'ai pas entendu. Oui, entre le chat ne t'entend pas, mais il m'a balancé une référence d'un comics et j'étais là, bah oui, très certainement. Donc du coup, ces créations telles que Iron Man, Hulk et Spider-Man sont publiées et qui connaissent un grand succès auprès des fans. Et dans la même période, bon, je ne vais pas préciser exactement, mais il va beaucoup innover dans le procédé de création d'une BD avec les dessinateurs, les illustrateurs, comment est-ce qu'il y a... dessinateur, illustrateur, c'est pareil, pardon. Dessinateur, scénariste, comment est-ce qu'ils rentrent en cohésion tous ensemble. 1980, il déménage à Los Angeles, notamment pour avoir un... Pardon, le retour est incroyable. Le retour du live est incroyable. Attends, ça va apparaître bientôt. Déçu. Ok, pardon. Bon, bref. Bon, ben, on verra bien. 1980, il déménage à Los Angeles pour avoir un œil sur les films, notamment Hulk et Thor, qui sont pas très bien les films... Bah, je parle des films de 1980, pas les actuels. Actuels, ils sont pas bien non plus. De toute façon. Ah bon, Thor, t'as pas aimé? Thor 1, je l'ai vraiment pas aimé pour le coup. C'est vrai. Ouais, Thor 1 était pas ouf. Ah ouais. Après, ça se monte en puissance, mais ouais, le Thor 2 était 1, bien mieux pour le coup. Quoi? Le 2... Ah non, ah là non, monsieur. Le 2, t'as de le 2, t'as de belles images, mais ça va partir. Non mais oui, je suis d'accord avec toi. Oui, t'as bien aimé le 2. Le 2, c'est pas que je l'ai bien aimé, je dis que j'ai plus aimé que le 1. Ne déforme pas mes propos. Ah là là, ah non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Moi que je les confonde. Non, le, je pas spoil, le 2 c'est Darkness, je sais pas quoi là. C'est lequel Ragnarok? C'est le 3? C'est le 3. C'est le meilleur. Le 3 c'est un peu un Guardian of the Galaxy Thor. Ouais. C'est à peu près ça, ouais. Mais attends, le 2 c'est quoi? Je crois que j'ai même pas vu le 2. C'est pas l'autre monde ou le monde des ténèbres? Oui, c'est avec l'elfe noir, mais son titre. C'est de la merde. Bon, bref. Dans ce cas, oui, maintenant je suis sûr, je préfère le 2 ou 1. Et ça, j'ai aucun doute pour le coup. Mais le 1 est vraiment... Le 3 ou 2, là oui. Non mais oui, là j'ai l'impression que ça fait consensus, tout le monde est d'accord. Mais ben, le 3 c'était le meilleur, mais le 1 est vraiment trop cliché. Hein. Oui, genre, Bah ouais, mais je sais pas. C'est vraiment le cliché du super-héros, quoi. Genre... Bah, comme Doctor Strange, comme Iron Man. Comme oui, Superman. Oui, non mais d'accord, mais là c'était trop poussé. Enfin, je sais pas, j'avais pas accroché. Donc du coup, j'avais bientôt fini. De 95 à 2008, oui j'accélère un peu parce qu'on est un peu en retard. La chronique cinéma. Ah putain, oui, en fait on n'est pas si en retard que ça. Non, on est en avance du coup. Merci. De 95 à 2008, il va recevoir beaucoup de prix pour ses œuvres et pour les adaptations à l'écran. Voilà, c'était tout pour la... J'ai essayé de condenser un peu la longue carrière de Stan Lee qui a beaucoup marqué les esprits et le cinéma. Et c'est quoi pour vous votre film de super-héros préféré chez Marvel? Oh, c'est trop dur. Oh, je vous laisse quelques instants. Moi, j'ai énormément aimé Spider-Man Homecoming. J'ai vraiment aimé. Ah bon? Ouais, mais c'est peut-être parce que c'était... En fait, Marvel, j'avais pas du tout su au début et j'ai tout vu d'un coup, en fait. Et c'est un des premiers que j'ai vu. Et ouais, mais j'avais vraiment accroché. Mais j'ai tout fait d'un coup. Mais moi, justement, quand je suis allé voir Avengers 4, je me suis dit, mais quelqu'un qui doit tout voir, il va avoir tellement... Oui, ben voilà, c'était juste avant la sortie d'Infinity War, j'ai tout fait. Tout. Et toi, sauf Thor 2. Je vais dire Thor 2 juste pour faire chier Jean-Michel Régis. Mais ah oui, Thor 2, vraiment un bon film. Non. Merci Alexis dans le chat. Oui, Thor 2, c'est le monde des ténèbres. Mm. J'aime beaucoup Infinity Wars. Je l'ai beaucoup aimé. Oui, ouais, il est vachement cool. Mm. Et j'ai beaucoup aimé les Gardiens de la Galaxie. Les trois? J'ai pas vu le dernier. Attends, les trois que j'ai vu. Il y en a deux. Oui, il y en a deux. Il est deux dans ce cas, mais avec une préférence pour le premier. Ça se joue entre ceux-là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé Infinity Wars. J'ai vraiment passé un bon moment. Et toi, tu vois? Moi, sans hésiter, le premier Iron Man. Le premier. Tout premier. Ah ouais? Ouais. Franchement, je l'ai surkiffé avec les musiques de AC/DC derrière. Elle était vraiment génial. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Ouais, vraiment. En plus. Pour le coup, comment il s'appelle l'acteur? Je me souviens même plus. Maintenant. Robert Downey Jr. Ouais, celui-là, il est vraiment top. J'adore tous ses films. Et je dirais aussi Deadpool pour le côté décalé. Mais t'as pas l'impression qu'il joue tout le temps le même rôle, Robert Downey Jr. Enfin, Sherlock Holmes ou Iron Man, tu vois. Oui, c'est toujours des rôles un peu... Un peu charismatiques. Un peu excentriques, ouais. Mais c'est un peu comme Non, On a dit Will Smith en régie, et là je suis grave d'accord. Will Smith il joue toujours un père de famille, mais ouais, c'est vrai. Non, mais tu vas jouer Deadshot, non, je vais avoir une fille et une relation très. Mais non, mais arrête, on s'en fout.
Du coup, je t'ai coupé pendant que tu cherchais. Non, mais en fait, je cherchais encore le nom de l'acteur et je l'ai encore perdu. Ah. L'acteur qui joue dans Drive, dans First Man. Ryan Gosling. Ouais. Ryan Gosling. Il a toujours le même. Je suis pas en vrai. J'étais très d'accord. Quand tu regardes, il a toujours la même expression de visage carrément. J'étais très d'accord avec toi. Puis j'ai vu La La Land. La La Land. Oui, bah, oui, forcément. Là, mais comment? Tu peux pas changer ta gueule. La même gueule. Oui, c'est vrai, tu peux pas. Je suis pas d'accord. Il a pas la même tête. Bon, c'est vrai. Dans Crazy Stupid Love, dans toujours le même rôle, Johnny Depp. Ah oui, 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 ouais. C'est vrai. Ouais. Oui, merci. Bon. C'est contestable, mais genre, ouais, ça se tient, ça se tient. En vrai. Du coup, pour Gosling, je maintiens ce que je dis. C'est vrai que dans beaucoup de ses films, dans N'oublie jamais, il est très. Je suis content actuellement. Alors qu'il a un visage impassible. Only God Forgives, ce film, je l'ai détesté. Et oui, là, oui, mais. Il y a quand même des exceptions. Quand tu regardes, oui, il y a des exceptions, mais quand tu regardes First Man, quand tu regardes Drive, quand tu regardes Only God Forgives. Il est bien, hein, First Man, je l'ai pas vu. Il est génial. Ah ouais. Et il a toujours la même tête. En fait, je pense qu'il prendra jamais de rides de sa vie. Parce qu'il n'utilise pas son visage. Il y a des muscles qu'il n'utilise jamais, je pense, sur son visage, vraiment. Mais il y a un truc qui m'y a fait penser dans le trailer de First Man. Il y a une scène où il sort, je crois, d'un impact ou d'un truc comme ça. Il est en costume, il est tout éclaté. Et genre, il y a quelqu'un qui lui fait ça va, il fait j'ai l'air d'aller bien ou un truc comme ça. Genre, il est tout éclaté, mais il reste impassible, tu vois. Genre, Ryan Gosling, tu vois. Ouais, voilà. Mais pour revenir sur Johnny Depp, Willy Wonka. Jack Sparrow, Lone Ranger, c'est des rôles qui sont très proches quand même. Oui. Et tu oublies Edouard Romain d'Argent, par exemple. Oui. C'est il a pas fait que ce personnage, il a fait beaucoup parce qu'il aime beaucoup ce personnage-là. Ouais. Mais en soi, Chapelier fou, ouais. Mais tu vois, si tu prends Edouard Romain d'Argent, bah. Oh là là! Je voulais savoir pourquoi je l'ai pas vu. On veut pas savoir, non? Bah, tu vas le voir! On m'a prêté le DVD, hein, de Edouard Romain d'Argent. Oh non, je l'ai pas eu de manière légale. Et donc, du coup, je le lance. Et comme Jean-Michel Régis avec les Dragon Ball, je le lance et il n'y a pas de son. Et là, j'ai fait passer chiant, en fait. Et donc, du coup. Mais oui, mais il y a un outil magique, tu vois, ça s'appelle Internet. Mais oui, et mais c'est un truc de fou, genre, tu trouves les films. Mais genre, je devais le emprunter à mon ami. Mais vrai, tu. T'as aucune excuse, en fait. Ah non, mon excuse, c'est la flemme. Ah non, c'est pas une excuse, j'ai pas dit que c'était valable. Non, mais tu devrais le voir, c'est un très bon film. Oui, on me le dit souvent. On n'a pas eu l'avis d'Ilona sur ses films préférés. Oui, c'est vrai, je suis désolé. Et d'ailleurs, tu vas te faire. Adopi va te tomber dessus, Ryan. Non, ouais, non. Enfin, c'est juste genre un running gag de pas dire télécharger. J'ai payé 12 euros par Adopi. Hein, oui, pardon, ton film de super. Non, mais moi, tu le sais déjà, je vais me faire lyncher. J'ai vu presque aucun Marvel. Récemment, j'ai vu Les Gardiens de la Galaxie quand même. Et, t'as bien aimé? Ouais, non, franchement, j'ai grave kiffé, même au niveau de la BO et tout. Non, je trouve ouais. Les musiques, là, c'est trop bien, ouais. D'ailleurs, elle passe tout le temps dans le bar dans lequel Pixel se retrouve. Voilà, ah, le cochon. Ouais. Petite pub. Oui, voilà, c'était tout. Petite pub pour le cochon. Donc, voilà. Et, oui, vous avez répondu pour votre super-héros préféré. Mais bon, bref, oui, Ryan Gosling, très effacé. On est parti de quand même de ouais. Rocky pour arriver à La La Land. Enfin, ah, je veux juste rebondir. J'ai oublié les premiers Superman aussi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Les premiers des années 60? Bah, pas les tout premiers. Mais genre les Man premiers. Non, pas Superman, Spider-Man. Ah, ok. Et là, la régie est en extase. Ah oui, avec Tobey Maguire. Oui, c'est ça. Ouais. Je les avais aimés, ceux-là. Le 3 est un peu chiant. Non, oui, le 1 et 2, pas le 3. Ouais, le 3 est ouais. Un peu chiant à regarder. Oui. Même si Venom. Mais c'est cool. Si on passait à la suite avec. La série. Waouh! Sur une. Attention. J'ai décidé cette fois-ci de faire ma chronique sur une petite série que pas grand monde connaît. C'est un peu un dé, non? Ouais, la dernière fois c'était Blockbuster avec les chroniques de Shannara, série multimillionnaire. Essaye de la faire deviner pour voir. Oui, donc. Ça c'est ton nouveau jeu! C'est pour ça! Je vais vous faire deviner mon jeu, après vous allez voir. C'est une série impliquant un certain nombre de familles, 7 pour être tout à fait exact, qui se battent dans le but d'acquérir le pouvoir! Non, mais les gars, je suis nul pour faire deviner des trucs! C'est insane! Vous êtes vraiment mauvais! The Walking Dead, bien sûr! Donc. Donc je n'attends pas le chat pour pas qu'il y ait de temps mort, je suis désolé le chat, mais je pense que tout le monde a deviné que c'était Game of Thrones. Ouais, spammer GOT dans le chat. Attends, est-ce que Ryan peut prononcer Game of Thrones? Waouh. Waouh. Waouh.
Donc j'ai fait quelques petites recherches, bien aidé je l'avoue par la vidéo du Captain Popcorn si vous connaissez, qu'il a fait après que j'ai commencé et il avait dit toutes les infos que j'avais déjà trouvées en ajoutant quelques-unes, donc j'ai eu l'impression de ne faire aucun travail alors que j'en avais fait avant, donc j'étais extrêmement triste. Pardon, je te coupe. En fait t'as eu l'impression d'avoir copié alors que t'as pas copié. Alors c'est ça, alors que je l'ai fait avant. Tirage. Boum. C'est trop bien résumé. Juste il a le sel en fait actuellement. C'est Antoine qui nous parle de la BlizzCon, voilà. Voilà. Chacun son tour. Donc bon, c'est pas grave, il a très bien résumé, il a trouvé plus d'infos que ce que j'avais trouvé, donc bravo à lui. Ah oui, je te recoupe après, normalement je devrais m'arrêter. Florent nous demande si tu vas spoil. Je vais donner 2-3 infos sur la saison 8, des trucs que j'ai réussi à avoir. Ah oui. Celle qui n'est pas encore sortie, mais ce sont juste des petites informations. Mais je ne vais pas spoil les 7 saisons d'avant, parce que les 4 autres chroniqueurs m'en ont dissuadé. Je vais être honnête. On pense à la populace, ok? La populace, non mais le chat, on vous aime. Hein. Surtout dans la partie débat que j'avais envie de spoil, mais vous comprendrez pourquoi une fois qu'on y sera. Non, vas-y, je t'en prie. On a enfin la date de retour de Game of Thrones, c'est demain. Hein, j'espère que vous êtes tous contents, non pas du tout, c'est en avril 2019. Vas-y, j'ai pas le droit de faire ça. Je cite la régie à l'enculé. Donc c'est en avril 2019, on n'a pas encore le jour précis, mais on a déjà le mois, c'est déjà pas mal. Voilà, grosse annonce, c'est qu'apparemment, il y aura la plus grande bataille jamais filmée dans une série et au cinéma confondu. C'est-à-dire ça va être au-dessus que la bataille du gouffre d'Helm. Apparemment, je vais citer Peter Dinklage qui déclare que à côté la bataille des bâtards, qui avait déjà été une très belle bataille du point de vue de la réalisation. Donc Peter Dinklage, Tyrion Lannister, donc dans le Seigneur des Anneaux, a déclaré que la bataille des bâtards aura l'air d'un parc d'attractions à côté. La hype commence. Oh mais j'ai des frissons, genre vraiment. Donc, évidemment, il y a le teaser qui est sorti, je présume que certains d'entre vous en ont entendu parler. Et ce teaser, c'est seulement avec des images des 7 premières saisons. Ouais. Bah, ça, tu vois, honnêtement, j'aime bien. Mais je trouve que ça fait un peu monter la hype, justement. Tu revois tous les bons moments forts et t'es en mode genre. Putain, ça donne envie. Et puis c'est pas comme certains génériques, genre Fairy Tail, où genre ça te spoil tout. Ouais, l'arc. C'est ça, je suis d'accord, tu vois. Et genre t'as plus besoin de regarder, t'as juste besoin de regarder le générique, tu sais tout ce qui se passe. Mais ça, c'est chiant, parce que t'as un nouvel arc qui commence, du coup tu dis, oh, un nouveau générique, c'est cool, et tu regardes et tu fais, bah c'est lui le méchant, ta mère. Voilà. Genre, mais en plus, même quand il y a un personnage qui va trahir. Oui, ça te le dit. Ça te le dit, c'est n'importe quoi. Ou alors il est retourné, t'es en mode, bah, c'est chiant, je vais pas m'attacher à lui. Je sais, oui, voilà. Et je sais pas si vous savez, mais par rapport au fait qu'ils mettent que des images d'anciennes saisons, pour la saison 1, du coup, en français, en Belgique, dans le trailer, ils avaient mis la mort de celui qui meurt à la fin. De la saison 1. Oui, et donc du coup, t'as plus envie de regarder. Les génies. Attends, j'ai décidé comment spoiler sans spoiler. Boromir. Bah non, c'est un spoil. Mais non, c'est pas un spoil. Bah si t'as pas vu la saison 1, tu sais. Ouais, bon bref. Enfin bon, la saison 1, enfin au bout d'un moment. Ouais, les enfants. Bon. Mais bon, du coup, je veux dire, quelqu'un qui a jamais vu, qui veut regarder ça en français, genre sur la télé belge, bah, il devait être en mode bah, énorme. Merci. Après, hein. Est-ce que tu t'en souviens forcément? Genre, c'est un plan en deux secondes. C'est marquant quand même. Mais oui, mais si tu as pas vu la série, et si tu vois que le trailer, c'est un plan de 2 secondes, tu vas pas forcément te rappeler qu'il y a ça, quoi. Je sais pas. Sachant que c'est la saison 1 quand même, elle est sortie déjà depuis un bon bout de temps. Oui, non, mais c'était à l'époque où la saison 1 était diffusée en Belgique. Ah. Belgique. Non, c'était pas maintenant. Vas-y, pardon, je t'en prie. Pas de problème, ma chronique elle est pas longue, donc si on a des beaux milieux, ça m'arrange. donc, comment on peut analyser ce débat? Ça montre que vraiment la 8ème saison, c'est pas du hasard, ça va pas être un combat. Lol, allez, on va voir qui va gagner, on va tirer un dé, et si c'est un 6, c'est tel, et si c'est un 5, c'est tel, etc. etc. Et ça montre que, en montrant pour moi les images de cette première saison, ça montre que tout. Que c'est un ensemble d'actions qui va amener à la conclusion de Game of Thrones. Mais des théories sur la fin, on en parlera plus tard. Donc, l'obtention du pouvoir semble être toujours au centre. Ça répond à la crainte de certains fans qui ont peur que ça part en bataille. Les gentils, les vivants contre les méchants, les morts. Mais dans la dernière saison de Game of Thrones, n'a pas oublié le principe du jeu des trônes qui a donné son nom à la série. C'est donc, bien fichu, hein, dis donc. C'est ça, mais ils ont créé un hashtag, notamment le Force of Thrones, qui cherche, je pense, à rassurer tous ceux qui craignent la fin des jeux de pouvoir au profit du combat contre les morts. Donc ce teaser met en place
de nombreuses morts, justement, des séries, des saisons précédentes. Le message, pour moi, il est plutôt clair. Ça va saigner. Mais je pense qu'il y a C'est la dernière saison. Oui, ouais, oui c'est la dernière de l'année dernière. Après, on parle. C'est ouf. Après, il y aura des spin-off, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine chronique. Dès que j'aurai plus d'infos. Moi, ça me hype. J'ai envie de voir qui va survivre, qui va mourir. Je pense que vous êtes ça me fait bizarre de me dire que genre une série que je suis depuis des années. Ouais c'est ça, c'est ça. Ça va finir. Déjà juste l'an dernier j'avais pas ma saison, j'étais un peu c'est chiant. Oui c'est vrai. Et là ça va être la fin. Non vas-y bah, je t'en prie. Vous inquiétez pas, vous pouvez me couper, hein. je suis pas Dieu donc je parle et vous m'écoutez. Non, vous avez le droit de témoigner. Donc un accent apparemment serait particulièrement poussé sur les batailles et les retournements de situation. Ça, toutes ces infos, je les ai d'une interview de David Nutter, qui est donc le réalisateur des épisodes 1, 2, 4, si je ne fais pas d'erreur, vu que je ne l'ai pas noté sur ma fiche. De quelle saison ? Des épisodes 1, 2, 4. Ouais. De la dernière saison. Ah, ok, d'accord. Il a déjà participé à quelques épisodes, hein, notamment Les Noces Pourpres. Ah. David Nutter. Ce fameux épisode. Ah, cet épisode. J'ai encore mal dans mon cœur. No spoil. J'ai failli arrêter la série avec cet épisode. Ah ouais. Ah oui, j'ai failli. Non, c'est bon, ça suffit. Maintenant, j'en ai marre. On sent le sel chez la régie. Et le teaser s'achève face à John, face au roi des morts, dans un superbe image. Mais c'est, c'est pas le, c'est une image qui est déjà sortie. Oui, c'est celle de, je crois, de l'épisode. Hard Home. Je sais plus, c'est 8-9. T'as carrément 10, les noms des épisodes. Oui. Mais moi, il y a des épisodes qui m'ont marqué, genre Les Noces Pourpres Battle of Bastards. Ouais. Mais sinon, les autres, je suis comme toi. Non, je sais pas. Tu sais, c'est l'épisode où ils sont chez les Sauvageons et genre ils attaquent par le haut et genre t'as John qui part et t'as le roi des morts qui est comme ça, qui le regarde. Le roi des morts, mais on en parle de son charisme. J'ai complètement spoil, pardon. C'est le mec qui avait dit dès le début. Oui, en plus, c'est moi qui ai dit pas de spoil. Bon, tu sais, bon, bref, à ce moment-là, tu te dis, oulala, mais dans la suite, ça va chier. C'est ça. Ça va chier. Après, donc, nouvelle petite info, tous les épisodes feront minimum 60 minutes. Il y en a pas. Moi ça me fait plaisir. Moi je comprends pas, c'est trop bien justement. Plus l'épisode il est long, plus tu vas pouvoir. Oui. Et justement, le final il fait pas plus de 2 heures, hein, je crois. Le final, on n'est pas sûr. Apparemment, il y en avait qui disaient ouais, il va y avoir, ça va être que des épisodes de 90-100 minutes. Non, ça va être plus de 60, c'est sûr. Il va y avoir les épisodes les plus longs de la série, c'est sûr. Après, il a pas donné de détails et il a dit ne vous attendez pas à des films. Mais, ça reste une série. Mais après, est-ce que c'est mieux d'avoir plus d'épisodes qui durent moins longtemps ? Ou moins d'épisodes qui durent plus longtemps. Ouais, parce que là, il y a moins d'épisodes. Parce que là, il y a moins d'épisodes, hein, il y en a que 6 ou 7. Au final, ouais, ça revient même. Mais il y en a combien d'habitude, genre c'est 10. C'est 10. Ouais. 10. 10. Mais non, attends, les dernières saisons, c'était plus 10, je crois. Non, ça a toujours été 10. Ah bon ? Oui. Non, pas toujours. La dernière, il me semble qu'il y en avait un peu moins de 10. Ouais. Ah, peut-être moins dans la dernière, oui, mais ça c'est possible. Mais, dans vrai, c'est pas... mais c'est tout le temps 10. À chaque fois, ça m'étonne qu'il n'y en ait que 10 parce que. Mais c'est long, hein. Bah ouais. Hmm. J'ai l'impression de voir les vieilles séries à 22 épisodes, tu vois. Alors qu'en fait, non. En fait, c'est long parce que tu es obligé de prendre un peu de recul à chaque épisode après pour te dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Même à chaque scène. Tu prends, ouais, tu prends ton petit carnet, t'écris bien, lui il a fait ça. Tu fais l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, il fait des boucles. Ouais, voilà. Tu prends une map monde, tu sais, avec les petits. Ah ouais, non. Avec les petits fils rouges. C'est mais c'est vrai, genre un enquêteur en Westeros, genre il est dans la merde, non? Ah bah ouais. Alors le suspect, il a fait ça. Donc je vais juste répondre à une demande du chat. Les théories, ça viendra après, ne vous inquiétez pas. Je vous incite à rester. Ah, une partie théorie. Il y a une partie théorie, complètement. Restez avec nous. On m'amuse à créer mes propres théories. Je vais demander d'ailleurs à mes chers amis chroniqueurs de proposer les leurs. Mais déjà, donc pour finir avec la chronique, même si j'ai pas fini du tout, pour continuer avec David Nutter, on lui a demandé de décrire en 3 mots la saison: spectaculaire, inspirante, satisfaisante. 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 Connaissant ouais. David Nutter, satisfaisante. Ouais, voilà, pour le niveau de. Ça va être génial. Le niveau de professionnalisme qu'il a, c'est impressionnant. Donc, ouais, s'il dit satisfaisant, c'est. Il a réalisé quoi dans le passé? D'autres épisodes. Je sais pas si on t'entend. D'autres épisodes de la série, comme j'ai dit, Les Pourpres, après j'ai pas cherché. Ah oui, ok, ouais, c'est celui. Il a dû faire d'autres choses à côté, évidemment, mais. Je ne sais pas. Autre information, il n'y aura aucun voyage dans le temps dans la saison 8, et ça me fait plaisir. Oui, ça c'est cool. Je déteste ça. Okay, dans le temps. Mais non, mais en fait, tu sais, en gros, l'auteur n'aime pas ça parce qu'en fait, ça te permet de justifier des trucs et de déconstruire des trucs que t'aurais posé.
Et mais je crois que même c'est une décision de l'auteur dans Game of Thrones, il n'y en a pas parce qu'il est 50. Mais après c'est hyper chaud à gérer en fait le voyage dans le temps, etc. Parce que t'as plusieurs théories sur le voyage. Ça complexifie l'histoire aussi. Ouais. Parce que, on c'est sur les boucles temporelles, tout ça, c'est ouais. Ouais. On l'a vu avec Warcraft. Bon, pour faire simple, en gros il y a un mec qui est méchant, il revient dans le passé pour dire et à son mode du passé et genre devient vraiment méchant en fait. Mais ça, en plus ça fait vraiment beaucoup de problèmes et du coup genre dans Warcraft et ils ont dû justifier plein de trucs dans le lore genre en fait il y a qu'une seule armée parce que je sais pas quoi, enfin ils ont dû justifier plein de trucs sinon c'était complètement incohérent et ouais. Alors que juste ne mettez pas de voyage dans le temps, genre c'est pas grave. Ouais, c'est mais attends, mais quand tu dis pas de voyage dans le temps, est-ce que c'est à dire c'est avec Bran, en gros tous les trucs avec Bran où il va dans le temps. Ah ouais, ok, ça ok, mais les visions, ouais c'est des visions du passé en fait. Ça je trouvais ça cool parce que du coup on en apprend énormément. C'est surtout que si tu montes pas ça, genre Bran, après il va faire quoi, quoi, tu vois, c'est genre, ça. Il est juste handicapé. Ouais. Allez. Donc bon, à moins qu'ils veulent pas le montrer dans la saison, ils sont, je veux dire. Mais je pense qu'il pourrait, enfin, en vrai, il pourrait être beaucoup plus puissant que ça, tu vois. Mm. Je comprends pas pourquoi. On n'a pas vu toutes ses capacités encore. Mais ouais, ouais, ça genre, ça. Bon, j'ai lu juste deux livres qui correspondent, je crois, à la saison 5 et 6, si je dis pas de bêtises. Et en fait, tu vois, il a, je sais pas comment te dire, on te décrit tout ce qu'il peut faire. Ouais. Et à l'écran, genre, tu vois ouais, rien. Ouais, tu vois rien, c'est ça. Tout ce qui est capable. Après, nous allons passer à la partie spoiler alerte. Non, c'est pas des spoilers, c'est pas vrai. C'est des petites informations que j'ai sur la saison 8. Des petites questions, par exemple, je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans la saison 7, il y a eu la chute d'un certain mur. Et des personnages étaient dessus, notamment un certain Tormund. C'est le roux. C'est le roux, c'est le roux là avec. Le roux qui est amoureux de Brienne. Je suis désolé de réduire un personnage à sa couleur de cheveux, mais. Quand on me dit c'est le roux, je oui, bah ok, je vois. Tormund dans le casting de la saison 8. Donc soit il y aura des scènes de flashback, soit il n'est pas mort. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est cassé la gueule lui. Non, oui, mais non, enfin. On le voit qu'il court et en fait il n'y a qu'une partie du mur, donc en fait, pour moi, il était déjà pas mort en fait. Bah là, c'est quasiment confirmé. Il était avec. Avec le limier aussi d'ailleurs. Et apparemment, la bataille titanesque qui a pris 55 nuits de tournage. C'est-à-dire 4 fois plus en erreur de ma part que la bataille des bâtards. 55 jours, pendant 55 nuits plutôt, ce sera seulement à l'épisode 3 et pas dans le dernier épisode. Ce qui laisse présager des petits complots pour les derniers épisodes. C'est, j'imagine c'est... bien les acteurs aller dans un pays d'Europe de l'Est, du coup, bah, là où il y a beaucoup de grandes étendues. Mmh. Vous n'allez pas dormir pendant 2 mois. Allez. Mmh. Bon courage. Profitez du voyage. Et nous allons passer à ma partie préférée de la chronique. C'est, je vais vous demander à chacun. J'ai demandé avant, j'avoue, que si tout le monde avait vu Game of Thrones ici, tout le monde a vu, c'est parfait. Donc je vais demander à chacun sa théorie pour la fin de Game of Thrones. Thibaut, nous commençons par toi. Bah écoute, je modifie ma théorie. Tintintin. Il a dit que ça serait comment? Satisfaisant, c'est ça? Oui. Satisfaisant. Ouais, donc venant de lui, en fait, je pense que ça va pas bien se finir, en fait. Tu viens de voler ma théorie. Ah, bah, désolé. Je pense que ouais, ça va partir en non, ça il y aura personne sur le trône parce qu'il n'y aura plus de trône en fait, je pense. Ouais. Quoi? C'est la théorie que j'ai aussi. Ouais, pour moi la théorie c'est que les marcheurs blancs gagnent en fait, voilà, et ouais. Que du coup tout le monde meurt. Et du coup, c'est... par contre, une petite pointe de positivisme, je sais pas si ça se dit, bon bref, positivité ouais, c'est que Daenerys va réussir à s'enfuir et à créer les 7 couronnes, mais de l'autre côté de la mer. Ah, en Essos, tu vois. Ouais. Ouais, va claquer, elle. T'inquiète. Donc, on adhère à ma théorie. Moi, j'adhère totalement à la théorie du marcheur blanc qui gagne. Je pense pas, enfin, du coup, Game of Thrones vient d'un livre, et honnêtement, je pense pas que tu crées une saga de 17 tomes pour à la fin faire. Ben voilà, tout le monde est mort. Oui, enfin, tu crées pas des personnages super attachants à chaque saison pour les tuer à la fin. C'est pour ça qu'il y en a 2000, c'est pour ça qu'il y en a 800 des personnages. Tu peux t'attacher à un. Mais oui, mais du coup, justement, connaissant l'auteur, tu vois, oui, connaissant le réalisateur en plus. Mais c'est totalement différent. Il nous a habitués à chaque fois à ce qu'il y a des gens qui meurent, mais donc oui, pourquoi mais a tué pas bah, à une la personne, fin. Mais là, a ruiné tout son monde. Ça, bon, en vrai, fait, ça m'étonnerait. Hein. Je dis pas non, ça ne va pas arriver et tout. Bah, peut-être que les livres sont sortis, que vous avez la réponse, mais je ne pense pas. Non, la série en avance sur les bouquins. Ah bon? Oui. Oui. Ah, okay. Et c'est plus la même histoire. Oui, ouais, il y a des trucs qui ont bifurqué un peu. Ta théorie, Luna? Ben, ouais, c'est pas vraiment une théorie, mais genre, je pense qu'on est beaucoup à vouloir Daenerys, mais on le sait parfaitement qu'elle va pas c'est finir. Pas possible, voilà, c'est pas possible, elle va pas finir. Ça sur se trouve, le c'est ça le retournement de situation, tu sais, c'est que Daenerys finalement elle y arrive. Non, c'est exactement ce.
Du coup, non, c'est vrai que la théorie de Thibaut, je la trouve pas mal en vrai. Que tout le monde meurt. Mais j'aimerais pas. En soi, ça va bien avec l'idée du réalisateur. Donc, mais ouais, mais en vrai, j'ai tellement pas envie que j'ai pas envie d'y croire. Tu vois. C'est juste qu'en fait, une fin qui finit genre tout bien, tout ça, genre, ce serait bizarre en fait venant de la série, tu vois. Ce serait un... Ah, ok, bon, ben. Non, je sais pas, moi je vois bien un personnage qu'on n'a pas vu depuis longtemps revenir. Ouais, alors, Sam. Ah, mais si, on avait peut-être Sam, évoqué. Samuel Tarly. Si, Samuel Tarly, ouais. Si. Tarly sur le trône. Tarly. Sur le trône. Comme ça. On avait peut-être évoqué tout à l'heure Sansa. Oui. Mais j'ai plein de théories, j'en ai créé plein, vous en moi personnellement Sansa, c'est vrai que je l'aimais pas trop au début, mais au fur et à mesure là dans les dernières saisons je trouve qu'elle est un peu remontée dans mon estime, au début j'aimais beaucoup, je la trouvais un peu genre qu'elle avait du potentiel, moi je trouvais justement c'était la potiche genre ensuite m'a rendu fou après mais c'est vraiment toutes les scènes avec du coup je trouve désintéressant, on peut pas spoiler, c'est vrai, avec les dernières scènes et genre avec les dernières relations qu'elle a eues avec certains personnages, on va dire sans trop voilà spoiler. Ben, je trouve que elle pourrait mériter peut-être à certains moments le trône, tu vois. Tu mais c'est difficile en fait, d'en parler sans spoiler parce que. Oui, pour moi, elle mérite pas. Genre. Je sais pas. Non, ça m'étonne. Après, ça vient, je crois, à mes théories, à moins que Ryan t'en ait une autre. Attends, je vais essayer de réfléchir. En vrai, je vois bien Arya, pas sur le trône, Arya, mais. Ouais, je la vois pas sur le trône. Revenir sur la scène politique. Parce que tu sais, elle s'est beaucoup effacée pour s'entraîner. Conseil du roi. Je sais pas, peut-être main du roi, j'en sais rien. Et du coup, ça confirmerait Sansa, tu vois, genre qui prend le trône, vois, mais Arya main du roi. Et tout, tu vois. Est-ce que Jon Snow finirait pas sur le trône hein? Moi, je le vois non, pas franchement, Jon Snow, je le vois même pas survivre. Rien dans ma théorie. Ah, quoique. Quoique, si, peut-être. Je pense que Daenerys va mourir. Oui, non, mais. Ça on a. Malheureusement, regarde, je vais pas détailler tout le lore avec Aegar Targaryen, les vieilles histoires et compagnie. Normalement, c'est logique qu'elle meure. Tout simplement. Je pense que Jon Snow va survivre. Mais qu'il va refuser le trône. Mais non, bah, en même temps, je trouvais ça très gros parce que déjà, il a refusé la. Genre, quand il a fait un truc, puis il revient. Et il veut pas la garde de nuit. Puis ensuite, le roi du Nord, en gros, il le prend un peu par dépit. Ça ferait un peu Reddit qu'on lui dise. Je pense qu'il sera trop affligé par la mort de Daenerys. Moi, c'est, je pense, dans ce sens-là, qu'il va genre s'isoler au Nord. Mais non, mec, il s'en bat les couilles. Sa tante femme. Non, je ne pense. Bon, je pense qu'on a assez spoil là, putain. Vous sous-estimez le côté émotionnel de Jon Snow, je pense. Et je pense qu'il va refuser le pouvoir pour ça. Mais quand Ygritte, c'est-à-dire que pour moi, après, tu me dis que tu le crois. Ouais, bon, c'est assez compliqué. On est 13, les enfants. À trois personnes, deux théories qui sont probables, une théorie qui est pas probable, mais qui me plairait beaucoup. La première, ce serait dans ce qui confirmerait le propos de David Nutter avec Cersei, qui finit sur le trône. Ça irait bien avec l'esprit de la série. Pardon, c'est un message du chat. Enzo, t'es un génie. Les gilets jaunes vont bloquer les marcheurs blancs en faisant la Macarena à un rond-point. Fin de Game of Thrones. Game of Thrones CGT. Pardon, on décrypte. Décrédibilise, merci. Pas du tout la cause et tout, c'est juste le commentaire qui nous a fait rire. Vas-y, je t'en prie. Donc, Cersei, moi, c'est une théorie qui me plairait beaucoup, je vais être honnête. C'est pas les gentils, c'est-à-dire, c'est toujours les humains qui sont sur le trône, mais c'est quand même une sacrée manipulatrice et une sacrée connasse, si on peut dire. Ah, une grosse connasse, hein. Il faut le reconnaître, mais ce serait logique. Pour moi, le mot logique serait très bien. Mais elle y est déjà. En fait, ouais, bah, qu'elle le garde, quoi. Deuxième théorie, on en a parlé, ça, on avait parlé avant, c'est Sansa. Pour moi, l'ascension qu'elle a dans la série pourrait laisser présager qu'elle peut finir sur le trône. Après, j'ai deux autres théories potentielles. Tyrion, mais Tyrion, j'y crois pas. Ça me semble compliqué. Ça me semble très compliqué. Et la quatrième théorie, celle, moi, que j'adorerais, c'est Arya. Parce que Arya, depuis le début, pouvoir, elle s'en fiche complètement. J'aimerais le personnage énormément, est mais excellent. Je la vois pas sur la scène politique, genre. Oui, moi non plus, mais je sais pas. Ça me ferait kiffer, mais. Ou peut-être Sansa sur le trône et Arya en main du roi, un truc du genre. Arya, mais avec un autre visage. Alors, j'ai une autre théorie. Oh là là. Tu vois le. Hein. Non. Ou Jack and Hagar. Tu parlais de Jon Snow. En fait, je pense aussi que ça peut. Je crois que j'avais. Je suis pas sûr. C'est possible que je l'ai vu, là, cette théorie. Il va prendre, pour moi, il prendrait peut-être le rôle du roi des marcheurs blancs, en fait. Ah, et qu'il les contrôle au-delà du mur. Finalement, il va se mettre de l'autre côté du mur. Tu vois, il va tous les faire revenir. Ouais. Et finalement, il va pouvoir sauver Daenerys et elle va aller sur le trône. Après, voilà. Après, ce serait un peu une fissure trop entre gentil. Une rupture. Ouais. Trop gentil. Je sais trop gentil. Ouais, c'est très bisounours. Je pense, non, parce que. Bah, je sais pas, c'est quand même un personnage iconique, mais après.
Moi, ça me semble compliqué, sachant que Jon Snow, c'est l'élu de la... du feu. Non, c'est l'élu de la glace, c'est Daenerys, c'est l'élu du feu. Et bah... justement, c'est le paradoxe, en fait, de... De quoi parler Song... N'oubliez pas que Game of Thrones, le titre de base, c'est A Song of Ice and Fire. Oui. Et Jon Snow représente clairement la glace, et Daenerys représente clairement le feu. Et dans une histoire passée, c'est l'histoire d'Aegar Targaryen, qu'à la base, je ne voulais pas détailler, mais bon, on va le faire tant que j'y suis. C'est que Aegar Targaryen était le représentant du feu, et avait, lui, s'était sacrifié pour que, je sais plus si c'était son allié ou sa femme, je crois que c'était sa femme qui était représentante de la glace cette fois-ci, puisse survivre. Et donc, avec et vu que là, ce serait l'inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est la femme qui représente le feu et l'homme qui représente la glace. Et j'explique très mal, j'essaie juste de résumer. Hein. Désolé, je sais que c'est pas précis, mais je résume. Et donc, ce serait dans ce sens-là. Donc, Daenerys se sacrifie pour détruire le mal et sauver Jon. Enfin, je sais pas. En vrai, bah, comme tu disais, ça va être très bisounours. Mmh. Mais après. Mais à part si Jon, comme je le dis. On pourrait mélanger les théories que John, après ce sacrifice, se transforme en chef des marcheurs blancs pour partir et que, après, donc dans les trois derniers épisodes de la série, ce soit des jeux de pouvoir sans Daenerys et sans Jon Snow. Ouais, j'aime bien ce qui serait fabuleux. J'aime bien parce qu'on avait dit au tout départ, on spoil pas. Ouais, là maintenant, c'est fait. C'est en prix. Si vous avez pas vu possible. Game of Thrones, dites-le dans le chat. Mais bah, rip, du coup, maintenant. Ouais, hein. C'est bon. Passez une bonne série après. Oui, on part sur du postulat qu'on s'en fout des spoils. Oui. Je pense qu'on en est. On parle de Game of Thrones, c'est bon. T'avais une théorie, toi, Antoine ? Je sais pas si tu l'as donné. Oui, bah, c'était celle de Thibaut, mais en parlant comme ça, j'ai réfléchi un peu. Et genre, en fait, toutes les anciennes maisons, genre les Tarly, par exemple, les Targaryens, etc. Les Tarly, il y a qui ? Bah, les Tarly, etc. Ah oui, c'est la maison de Sam. Ouais, par exemple, qui était au jardin. Il n'y a plus de au jardin maintenant. Souviens-toi de tes notes, Ryan, voyons. Ouais. Ouais. Mais du coup, genre, chaque royaume, à peu près, a un représentant chez les gentils, entre guillemets, chez la team Jon Snow. À peu près. On est à peu près là-dessus. Bah, Tyrion chez les... Dorne, ils en ont pas. Oui, mais Dorne n'est pas dans le royaume des Sept Couronnes, en fait. Bah si. Non, c'est une principauté indépendante. Oh là là, c'est Monaco. Dorne, c'est Monaco. Non, mais en fait, ils sont pas assujettis au roi des Sept Couronnes. Si. Non, parce qu'ils se sont jamais fait battre par les Targaryens, les vrais Targaryens avec leurs dragons. Ils ont toujours résisté et en fait, ils sont partenaires, je sais pas quoi, mais ils sont pas sous. Ils sont en alliance commerciale. Voilà, c'est ça. Okay. Des partenaires particuliers. Ouais, c'est comme l'Union Européenne. Voilà. Waouh. Maintenant, vous avez tous la musique d'Indochine dans la tête. Allez. D'Indochine. C'est pas Indochine. C'est pas Indochine. Désolé. Pardon. C'est partenaire particulier. Oui. Ils ont appelé. Ouais. Non, mais oui. Mais Indochine. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Ça ressemble beaucoup à du Indochine. Non, mais c'est pas grave. T'as pas vu Edouard Main d'Argent, donc on peut pas t'en vouloir. C'est pour le mec, genre, oui, bah, continue. Ouais. Sur ta tête. Ouais, du coup, t'as les Lannister avec Tyrion. T'as au jardin qui ont plus de personnes. Enfin, genre ils ont plus personne, donc c'est normalement c'est Tarly qui récupère le trône, donc c'est Samuel. Mais attends, elle est où Ah mais elle est morte, pardon. Oui, mais arrête de spoil. J'ai dit quoi? Après, t'as le Val, bah ils ont encore quelqu'un, donc on s'en fout. Bah le petit, tu sais. Le oui, Saint-Va. Mais c'est lui le régent, enfin ils ont encore quelqu'un, tu vois. Oui, oui. Donc ils ont encore un ordre politique. Mais ils sont du côté de Jon Snow, genre ils s'en prennent. Hein? Il est pas du côté de Jon Snow. Bah si, il est allié à Jon Snow maintenant. Le Val est allié à Jon Snow. Ouais, tu sais, la bataille, là, quand ils sont venus. Vous pouvez continuer de parler, hein. Quand j'étais vous êtes pas obligé de tout ça. Si, c'était très drôle. Vas-y, éternue, du coup, ouais, le Val est allié à Jon Snow. Parce que c'était la tante de Sansa qui régnait sur le Val, oui, avec Baelish, tout ça. Ça voilà. Ardo, ouais. Après, le seul point, c'est les... Putain, comment il s'appelle ce truc là où t'avais les Tully. Les poissons, là. Je sais plus comment il s'appelle ce royaume. Bref, là, y a personne. Mais y a les Greyjoy aussi. Oui, mais du coup, les Greyjoy, ils... Ils sont indépendants aussi. Mais les Greyjoy, en fait... C'est en dehors, cette fois. Bah, théoriquement, les Greyjoy, t'as Yara. Théon qui est dans le camp, plus ou moins. Voilà, t'as Théon, t'as... T'as Euron, c'est ça ouais, qui est dans le camp. Voilà. De... En fait, si tu regardes à peu près tous les royaumes... Bah, c'est que, en fait, genre, si on part dans le monde des bisounours, genre, tout le monde va récupérer à peu près sa part du gâteau, tu vois, et t'auras un Jon Snow ou une Daenerys sur le trône. Je vais vérifier tout de suite sur Google, mais je crois que c'est Vivzeg, l'endroit des Tully. C'est la ville, ça, mais le royaume. Ah oui. C'est les Conflans, je crois. C'est possible. Oh là là. En vrai, tu sais que toute la... Mais tu dois faire une map, genre arbre généalogique, map, perso. Vivzeg, ouais, Vivzeg, oui, c'est la ville, mais c'est les Conflans, je crois, le nom du royaume. Oui, la carte, en fait, je l'ai apprise en jouant au Risk Game of Thrones. Sinon,
Sinon, pendant la série, j'étais trop perdu. Ah ouais, mais moi, j'ai toujours... Pourquoi là, il fait froid, là-bas, il fait chaud. C'est à côté, qu'est-ce que vous faites? J'ai oublié personne, je crois. Je pense pas. Voilà. Bien joué, c'est les conflans. Et bien voilà, les conflans, ouais, c'est ça. Bien joué, Nicolas et moi, c'était Vivzec, le capitaine. Ah oui, le carnet, il est dans la tête, non mais... J'avais le poster de la carte de Game of Thrones. Ouais, je te l'emprunte. Donc, tu t'en inspires. Ah oui, ouais, on va faire ça. Mais Antoine, il regardait la série genre avec la carte à côté. Tu sais, c'était la météo de Westeros. Il y aura des morts sur la côte est. Et de l'inceste sur la côte ouest. Allez. D'ailleurs, je fais ma petite promo. J'ai un jeu de rôle Game of Thrones aussi qui est moyennement bien fichu, mais j'ai refait les règles et donc il est un peu mieux fichu. Ah oui, on me fait signe en régie qu'il faut peut-être enchaîner. Désolé de te couper. J'aimerais beaucoup essayer ton jeu de rôle Game of Thrones. Mais on va passer à la. Hein? Non, le lien, mais non, le jeu, j'ai un gros bouquin. Ah. Balance okay. Le lien du gros bouquin. On va enchaîner, Antoine. Oui. Pas de transition, on n'a pas. Ouais, pas de transition. Bah, je vais en faire une. Du coup, parle. juste quelques petites infos sur le monde du jeu vidéo. Il y a les Black Friday qui va bientôt arriver sur Steam, donc c'est le moment d'acheter des jeux. Il est déjà sur Battle.net, donc il y a des réductions sur plein de jeux. Profitez-en, parce qu'il y a des moins 66% par exemple sur Overwatch, donc si vous l'avez pas encore. T'as un code promo ou genre... Non, du tout. C'est ça comme un influenceur, genre. Ah non, du tout. Non, c'est pour vous, c'est parce que les soldes, c'est bien. Voilà. Et du coup, moi, je vais vous parler d'un petit jeu sur Steam, justement, qui sera sans doute en solde. Quand il est en solde, il a 2€, donc profitez-en. Sinon, il est à 20€, avec son petit DLC. Ouais, ils sont des soldes de ouf. Du coup, c'est Crypt of the Necrodancer, donc c'est un petit jeu indépendant. Alors, je t'ai donné la parole, mais t'as le temps. Hein, ouais, je sais. Je sais, pardon. Donc, Crypt of the Necrodancer, c'est un jeu indé qui était petit, qui est devenu assez connu, parce que des streamers ont joué, je pense notamment à Zerator, qui a fait beaucoup de lives dessus. Je vais être très technique, c'est un roguelike avec une connotation RPG. Donc roguelike, j'en ai déjà parlé dans la première émission. Oui, parlé de Zer Billions. Ah, voilà. Je vais dire Sly of the Spire, mais non. Non, c'est aussi un roguelike. Voilà. Donc un roguelike, c'est un jeu dans un espace fermé, donc un donjon généré aléatoirement la plupart du temps, où le but c'est de survivre et de descendre dans les étages et d'arriver au dernier étage où généralement il y a le boss. Et un RPG, c'est juste un jeu de rôle, donc gestion de personnages, acheter des items, tout ça. Des objets, pardon. Donc le jeu, là, c'est vraiment particulier, je n'ai jamais vu ça. C'est un jeu qui se base sur la musique pour tous les déplacements. Donc que ce soit le déplacement de ton personnage ou le déplacement des monstres. Donc tout est basé sur le rythme, le tempo de la musique. Donc forcément, la musique est au cœur du jeu, évidemment, puisque c'est au cœur du gameplay. Et elle est, je pense que c'est une des plus belles... Un des plus beaux OST que j'ai jamais entendu de ma vie. Genre, il est complet, il est... Il est très bon, mais derrière, celui de Super Smash Bros. Brawl. Ah bah, sans doute, mais... Il nous a tous marqué. Moi, personnellement, genre, même sans y jouer, genre, j'ai toutes les musiques sur mon téléphone, et je les écoute des fois, de temps en temps, juste comme ça, sans y jouer. Mais quand tu dis que c'est contrôlé par la musique, en fait, ouais. C'est... En fait, c'est le... Guitare, non, du tout, en fait, enfin, à peu près. Tes mouvements doivent se faire sur le tempo de la musique. Genre tu avances pas par pas sur le tempo de la musique. Okay. Et typiquement tous les monstres aussi. Du coup tu peux prédire les mouvements des monstres parce que t'as des monstres qui vont aller plus vite, donc qui vont avancer toutes les demi-mesures par exemple. Et c'est très intéressant. Je vais revenir après sur les points positifs et négatifs du jeu, mais c'est un point qui est à la fois positif et négatif en fait. Parce que du coup, c'est très dur à prendre en main, mais une fois que tu as pris en main le truc, ça devient vraiment rafraîchissant. Bah, c'est un peu comme tous les jeux de rythme, j'ai envie de dire. Non, parce que en général, les jeux de rythme, moi j'aimais bien, parce que c'était un peu rigolo, tu vois. Même quand tu pouvais mettre. D'ailleurs, il y a l'option aussi, tu peux mettre ta propre musique, et ça va analyser le tempo, et du coup, tu peux vraiment jouer comme tu as envie, tu vois. Si tu veux... si t'as envie de jouer sur du bon gros métal, tu peux. Voilà. Mais les musiques sont assez variées, genre, c'est beaucoup de l'électro, évidemment, parce que tu dois baser sur le tempo, donc l'électro, c'est beaucoup plus facile. Mais t'as des niveaux avec du rock, t'as des niveaux où la musique, elle change pendant le niveau. C'est super cool. Non, vraiment, c'est très, très sympa. Ça fait un peu peur au début, mais finalement, c'est assez cool. Donc, c'est un roguelike, donc le but, c'est de descendre d'étage en étage. Pour l'instant, il y aura plus de DLC qui sortent, mais avec le DLC, t'as 5 niveaux, avec 4 étages par niveau. Avec des monstres spécifiques à chaque étage et à chaque niveau, du coup, des musiques qui sont tout le temps les mêmes, du coup, mais par étage. Donc ça te fait énormément de musiques, qui sont très cool. C'est le mec qui a fait les musiques de Binding of Isaac, je crois, et Super Meat Boy. Voilà, donc c'est lui. J'ai pas son nom en tête, mais ouais, c'est lui. Donc
Là, il s'est dépassé encore plus que dans Binding of Isaac, donc mais je te laisse imaginer la qualité. Enfin, du coup, c'est des jeux indés où t'es beaucoup réduit en termes de capacité. Ouais, ben justement, là, c'est un jeu qui est vachement rejouable en fait, et ça m'a vraiment étonné parce que je me suis dit, bah, une fois que t'as fini les 5 niveaux, t'as plus rien à faire, quoi. Et en fait, non, t'as des, bah, déjà, le fait que ce soit généré aléatoirement, bah, aucune partie se ressemble. Les items que tu ramasses, bah, ils sont aussi générés aléatoirement, donc. Bah, c'est jamais la même chose, tu vois. T'as des armes qui attaquent tout droit, des armes qui attaquent sur le côté, enfin bref, c'est assez poussé là-dessus. Et le gros point positif du jeu, c'est qu'il y a plusieurs personnages, et chaque personnage a une capacité un peu comme dans Binding of Isaac, sauf que là, ça va changer complètement le gameplay. Genre, typiquement, j'en pense à un. Bah, juste des équipements en plus ou... Ouais, voilà, ouais. Okay. En fait, c'est genre, il y en a un, tu peux te déplacer comme tu veux, sans tempo. Ah, ok. Voilà. Et du coup, bah, ça change totalement ta façon de jouer, quoi. T'en as un, c'est tu prends des dégâts, tu ramasses des golds. Alors que les golds, bah, dans un roguelike, c'est genre la base du truc, tu vois, pour acheter des objets, par exemple, sur les boutiques. Là, tu dois choisir plutôt garder de la vie ou de l'argent pour acheter. Non, mais en fait, genre, je crois, c'est. J'ai jamais joué avec celui-là, mais genre, si tu touches de la gold, tu meurs. Okay. Et genre, du coup, bah, tu dois esquiver encore plus de trucs. Enfin, c'est assez cool. Et ouais, le jeu est cool. Donc, juste les points positifs, bah, la musique. Genre c'est incroyable, elles sont trop bien, quoi, vraiment, genre foncez, même si vous achetez pas le jeu, juste écoutez les musiques, quoi, genre elles sont vraiment super. La rejouabilité pardon, bah, l'aléatoire plus donc les nombreux personnages, c'est un jeu hyper addictif, genre pour moi c'est un point, mais généralement les roguelikes, ouais. Tu finis une partie, tu fais, mais en fait genre là t'as vraiment une courbe de progression qui est cool parce que t'apprends. En fait, quand tu joues, t'apprends les déplacements des monstres, par exemple. Du coup, tu sais, bah, ah, il y a un squelette, donc lui, il faut que je tape deux fois, etc. Tu vois. Ah, ils ont des patterns, enfin, des modèles de déplacement. Bah, c'est pas vraiment des modèles, mais c'est plus genre, tu sais que le squelette, bah, il se déplace à peu près sur deux mesures. T'en as qui D'accord. se déplacent sur une mesure. Tu sais combien de coups tu dois mettre sur telle mesure, etc. Du coup, ça doit beaucoup ressembler à de la danse, sur. Ouais, bah, à peu près, ouais, ouais, ouais. Bon, tu peux dire non, hein, t'as pas l'air très convaincu. De la danse des doigts, on va dire. Mais c'est vraiment cool. Non, mais. Pas d'allusion sexuelle, bien sûr. Non. Ah non, non, non. Jamais ici. Et okay, bon. Du coup, le dernier point positif que j'ai noté, c'est un gameplay rafraîchissant. Parce que c'est le seul jeu que je connaisse qui soit comme ça, en fait. Il y en a un autre, mais c'est un jeu, il doit être en développement depuis des années. Ouais, voilà, c'est pas un jeu abouti. Alors là c'est vraiment un jeu complet, quoi. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un truc avec Heroes Raging, je sais pas quoi. En fait, c'est un jeu de. Là, pour le coup, c'est un jeu de rythme très très proche de Guitar Hero. Et ouais, voilà, mais tu vois, c'est pas un roguelike. Tu vois, un roguelike ouais, rythme. Enfin, c'était assez ouais, osé comme ouais, pari là, en là, fait, oui, en là, soi. Là, moi, sur le développement, c'était vraiment. Moi, j'aime bien les jeux de rythme. Oh, j'aime bien les roguelikes. Allez, on mélange et on voit ce que ça donne. Et ça fait un super truc. On a quelqu'un dans le chat qu'on embrasse pour tous ceux qui détestent Justin Bieber. Oui, il a un nom assez. Je sais pas de quand date ta page ou ton profil. Mais Louis a déjà parlé, donc t'as raté sa chronique. Désolé. Dommage. Désolé. Et donc, j'ai noté quelques points négatifs quand même. Même si c'est un de mes jeux préférés, c'est des points négatifs. Bah, déjà, la prise en main, qui est assez difficile. Enfin, ouais, ça prend un peu de temps à bien comprendre comment se déplacer, etc. Une fois que t'as compris, c'est vraiment génial, mais ça prend un peu de temps. Le pixel art, pour moi, c'est un point qui est un peu négatif sur le jeu parce que c'est pas du très beau pixel art. C'est ça va. Moi, mais c'est pas Hellboy. Ouais. Je sais pas si vous connaissez dans le chat Hellboy. C'est un jeu indé qui a pris énormément de temps à développer. C'est fait avec des pixels, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais oui, voilà, tu vois, c'est typiquement. Magnifique. Mais là, tu vois, c'est du pixel art qui est joli, mais qui est pas transcendant, quoi. C'est dans la moyenne, quoi. Voilà. Ça me choque pas plus que ça. Hein. Pour moi, c'est dans la moyenne des pixels. Ça, c'est pas Pokémon Emerald sur Game Boy. Là, j'essaie. Oui, non, mais je sais, mais j'essaie de trouver des points négatifs, sachant que c'est un de mes jeux préférés. Et du coup. Ah, vas-y, on va te le laisser, le pixel art. Du coup, pour moi, c'est un peu. Enfin, c'est un jeu tellement bien que j'avais envie qu'il développe un peu plus son pixel art, tu vois ce que je veux dire. Ça peut se comprendre. Et si on avait eu les graphismes de Hellboy, par exemple, ça aurait été vraiment cool. Et le dernier point négatif, c'est par rapport au roguelike pur, il est moins complet que certains jeux. Genre, t'as moins de références, par exemple, si je prends Binding of Isaac, c'est bourré de références même dans les objets, tu vois. Genre. Quoi, parce que Binding of Isaac, t'as beaucoup de références à la Bible. Ouais, voilà, mais le laser, par exemple, t'as le casque. Ouais, mais tu sais, c'est l'item, c'est un laser comme ça sur le côté. C'est une référence à quoi, ça ? Bah, c'est une référence à tous les trucs de science-fiction. Alors que c'est un truc sur la Bible. Mais t'avais par exemple le casque de Spent Lucky aussi. Je sais pas si tu prononces bien le jeu. C'est un vieux jeu. Enfin, c'est un des premiers jeux indés. Mais voilà. Plus, bah, t'avais des références quand même à d'autres jeux indés. Tu vois, t'avais des trucs, des références à Meat Boy ou à machin. Enfin, des trucs comme ça.
Donc pour moi, il est un peu moins riche de ce niveau-là parce que c'est des armes assez classiques, genre une épée, un glaive, enfin bref. Une épée de fer. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et je regrette un peu ce côté un peu genre pas de référence, sachant que le monde du jeu indé bah, est truffé de références en général. Là, j'ai un peu regretté ça. Voilà. Okay. Mais je pinaille beaucoup, c'est un excellent jeu et vraiment, n'hésitez pas à l'acheter. J'ai pas encore fait l'extension, je compte la faire, le cinquième donjon, là, j'ai pas encore fait, mais il a l'air cool. Mais du coup, tu disais qu'il y avait que 5 niveaux, mais que ça va, c'était rejouable, c'est bien ça? Ouais, ouais, c'est ça. Mais déjà, pour passer un niveau, le premier, et ça se fait quoi. Là, moi, j'en suis à. J'ai fini le quatrième il y a pas longtemps avec à peu près une centaine d'heures de jeu. Et du coup, si tu dis que c'est dur de prendre en main, je pense que tu galères ta race sur le premier niveau déjà. Ouais, mais une fois que tu as compris, ça va tout seul en fait. Ok. Voilà. Donc, mais en fait, les niveaux s'enchaînent assez vite et t'apprends assez vite en fait. Donc, okay. c'est pas mal. Mais ouais, enfin là j'ai fait une centaine d'heures de jeu sans l'extension avec un seul personnage pour l'instant. Ah ok, ouais, donc ouais, des personnages jouables. Ouais, oh, okay. Ouais, ouais. Avec... Il faut les débloquer. Non, ils sont tous débloqués okay. De base. Voilà. Ok, ça marche. Et est-ce que ça vous a donné envie? Ou pas plus vous êtes... Bah, moi je trouve au niveau de la musique, je trouve ça pas mal parce ouais. que même le fait que par exemple tu peux mettre ta propre musique et que ça va changer la façon dont tu joues le jeu. Après, ouais, bah tu peux jouer en écoutant une joule, c'est trop bien. Et par exemple, ouais, je sais pas si. Non, mais c'est bien aussi pour les débutants, par exemple, tu mets une musique toute douce, du coup les monstres ils avancent tout ouais, doucement. C'est pas faux, et c'est... Par contre, tu mets du bon dubstep et tout. Ouais, voilà, là les monstres ils cavalent. Donc. Tu mets. Crise d'épilepsie. Tu mets Dragon Force, Full of Fire and Flies en nightcore. Allez. Boum. Comme ça, tu pleures. Tu saignes des oreilles et des yeux en même temps. Et des doigts parce que. Elle passe la version nightcore. Non, mais oui, non, non, mais je sais pas. Que c'était nul, mais c'est que. Avoir tu mets Daru des Standorm. On se calme. Thibaut, qu'est-ce que tu en penses? On a encore un tout petit peu de temps. Je trouve que le principe est original. Après, à voir si tryharder dessus, je sais pas trop non plus. Enfin, bah ouais, oui, c'est ça la question. C'est... Moi, j'avais envie de le finir parce que je le trouvais vraiment cool. Et en fait, moi, la carotte qui me continuait de me faire avancer, c'était découvrir la nouvelle musique en fait. Parce que je m'étais pas spoil sur les autres, sur les musiques, sur YouTube par exemple. Et du coup, j'étais vraiment en mode, mais elles sont trop bien les musiques, je veux. Parce que par exemple, quand t'arrives. En fait, un truc incroyable qui m'avait marqué quand j'ai commencé à jouer, c'est un marchand, tu sais, dans chaque niveau. Et plus tu t'en approches, et plus t'entends le marchand chanter la chanson en fait. Et genre, il y a une espèce de voix par-dessus la musique, et c'est. Mais c'est un petit détail, tu vois, mais ça rend le jeu vraiment cool. Et du coup, si tu mets par exemple des musiques assez douces, ça complexifie, ça simplifie le jeu, du coup? Bah, théoriquement, oui. Bah, après, moi, j'ai jamais essayé parce que les musiques du jeu me suffisaient. Et, en fait, pour moi, le gameplay était basé sur cette musique-là. Donc, j'avais pas envie de trucider le jeu, entre guillemets, en mettant une musique à moi, tu vois. J'ai juste essayé une fois l'option pour voir si ça marchait. Et comme ça marche bien. Tu peux cheater, en fait, tu mets une musique bien douce, tranquille. Ouais, enfin, c'est pas du cheat après, après en ça, soi. C'est dommage, genre, t'as zéro. Enfin, t'es content, ouais, t'as fini, mais. Voilà. Ouais, voilà, t'as pas de fierté. Oui, voilà. Merci, Justin. Juste, petit débat pour finir en mettant la pression au chroniqueur jeux vidéo. Quel est votre jeu indépendant préféré pour le pousser à faire des chroniques? Ah. Alors, mon jeu indépendant préféré, c'est Crypt of the Necrodancer. Voilà. Celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'est Minecraft. Parce qu'à la base, Minecraft, c'était un jeu indépendant. Oui. Ouais. Et le deuxième, c'est What Remains of Edith Finch, dont je parlerai peut-être plus tard, mais parce que là, on n'a pas énormément de temps, mais c'est un jeu génial. Je n'ai pas essayé. Moi, j'avais bien aimé Undertale. Ah, ouais, Undertale est vraiment cool aussi. Il est excellent. Je le trouvais pas mal. Thibaut, est-ce que tu es un joueur de jeux indé? Je dirais Minecraft aussi au début, mais au final, je joue pas trop à des jeux indépendants. Ok. Attends, j'ai pas répondu. Ouais, bah vas-y, accélère un peu. Donc je vais prendre mon temps, je pense qu'on a vraiment du temps pour. Non. C'est, je pense, This War of Mines, qui est. Je sais pas si vous avez entendu parler, peut-être un let's play du. Ouais, c'est un indé. C'est pas un gros studio qui a fait ça? This War of Mines? Je ne crois pas. Bon, bref, non, ouais. Je crois pas. Mais ils ont fait Frostpunk aussi. Frostpunk, c'est un. Oui, Frostpunk, il est un. Bah, c'est le même boîte qui a fait les deux. Donc si l'une est un. Oui, ouais, ouais. Et fondamentalement. Mind, exceptionnel. Et bien, du coup, sur ce dernier point, on vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt, tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut. Allez, ciao.